Bonjour YouTube, bienvenue sur cette VOD sur le Professeur Layton et l'étrange village. C'est le premier opus sur Nintendo DS. Je joue sur émulateur de DS qui s'appelle DESMUME, c'est pourri comme nom, mais c'est le nom de l'émulateur. Et on démarre dans 3, 2, 1, go. Ça marche. Le son est peut-être un peu fort, je baisse un peu. Ok. Alors, nous sommes partis débuter. Le son, dites-moi si c'est trop fort ou pas, mais normalement ça devrait le faire. Moi j'aime beaucoup les musiques des professeurs Layton, je les trouve belles et quand je les écoute ça me rappelle... Ouais, non mais les musiques sont vraiment cool. On s'appelle comment ? On s'appelle... Luc. Non, peut-être pas. Comment on s'appelle ? Vous avez une idée de pseudo ? Enfin de pseudo qu'on pourrait prendre. Luc c'est le nom du gamin, c'est lui et Luc. Là c'est Layton et là c'est nous. On va s'appeler... Gérard, c'est très bien Gérard. Hop. Gérard. Ok. Alors là, j'ai une scène exprès pour les cinématiques, qui est celle-ci. Ah, vous avez vu, j'ai bien géré. Hein. Pour Gérard. Nous n'avons jamais parlé à personne de ce que nous avons découvert ce jour-là dans ce village. En effet. Je ne comprends pas, professeur. Pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage ? Luc, mon garçon, crois-tu vraiment que je me déplacerai si ce n'était que ça ? Non, mon jeune ami. Nous avons là une situation pour le moins remarquable. Je ferai bien de t'expliquer de quoi il retourne avant notre arrivée. Il y a 2 mois... Le baron Augustus Reynolds s'est éteint. Peu après son décès, son testament a été révélé. Son contenu est des plus fascinants. La pomme d'or, trésor de la famille Reynolds, est cachée quelque part dans ce village. Celui qui parviendra à la trouver héritera de tous mes biens. Bien sûr, toutes les personnes présentes se sont immédiatement mises à la recherche de ce trésor. Cependant, personne n'a rien trouvé. Il semble que personne n'avait jamais entendu parler d'un tel trésor avant ce jour. Alors ça, c'est vraiment une belle énigme! C'est exact, Augustus Reynolds a mis en jeu tous ses biens pour créer son ultime énigme. Quel personnage déroutant. J'aurais aimé le rencontrer de son vivant. J'ai l'impression que vous seriez bien entendus tous les deux, professeur. Mais au fait, cette pomme d'or, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour certains, c'est une antiquité. Pour d'autres, c'est un bijou. Personne ne sait exactement. Toutefois, Luc, je pense qu'il y a autre chose derrière tout cela. Un mystère bien plus complexe. Ah ah, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas, professeur ? Peut-être, mais avant tout, nous devons trouver... ce village. Ça s'annonce passionnant. Herschel Layton, le célèbre archéologue détective, arrive à Saint-Mystère. Ah ah, allons Luc, tu sais aussi bien que moi que je n'ai rien à leur détective. Dahlia Reynolds, la veuve du baron, m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. Elle a décidé de me contacter après avoir lu par hasard
un article de presse qui m'était consacré. Et vous avez tout de suite accepté de l'aider, hein? Ah ah, Luc, sache qu'un parfait gentleman ne refuse jamais d'aider une jolie femme. Si vous le dites, professeur. Nous ne sommes plus très loin du village. Prends la carte dans cette enveloppe pour vérifier le chemin. Compris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La baronne nous a préparé un test, on dirait. Nous devons déchiffrer la carte pour trouver le village. Elle veut savoir si nous sommes capables de percer le mystère entourant la fortune des Reynolds. Alors Luc, tu es prêt à relever ce défi? Je ferai de mon mieux. L'apprenti du grand professeur ne fera qu'une bouchée de cette énigme. Très bien, Luc. Cette énigme est pour toi. Considère-la comme un échauffement. Et bonjour, Lille Loïc. Bienvenue, salut le moinard. Bienvenue à vous deux. Le nom, c'est... Alors, ça vous va, les voix comme ça? C'est cool de le faire comme ça? Donc là, on va se mettre en mode gameplay. Le mode gameplay, c'est comme ça. Let's go pour la première énigme. Donc, les Picaras. 10 sur 10. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Bon bah c'est elle. Well, here's my guess. Yeah! Oh yeah! Saves the day. Bravo Luc, tu as géré de ouf. Je l'ai déjà fait il y a longtemps, Barnus, mais je m'en rappelle plus, j'étais vraiment gamin, hein. Clairement. Bonne réponse, le village en haut à gauche n'est relié à aucune autre bourgade. Bon, tranquille. There we go. Now we should be able to make our way to the village. Et voilà, maintenant on devrait pouvoir trouver notre chemin jusqu'au village. Bravo Luc, on devrait l'apercevoir d'un instant à l'autre. C'est ça la puissance intellectuelle. C'est ça la puissance intellectuelle. Hyper bien calé, c'est vraiment trop bien, c'est marrant. Ah, professeur, vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouvait ce village? Ah, je n'ai pas pu m'empêcher de résoudre cette énigme. Elle était très facile, un coup d'œil m'a suffi. Quoi qu'il en soit, tu ferais bien de rassembler tes affaires, Luc. Nous sommes arrivés. Oh, cette musique incroyable. Ah, j'ai oublié de faire le changement de cinématique. J'aurais dû faire ça. Bon, vas-y, on part comme ça. Je suis désolé, faut que j'y pense au changement de cinématique. Et salut Link versus Daruk. Bon, cinématique. Bah, celle-là, je la laisse. S'il parle, je laisse parler en vrai. À moins peut-être qu'il parle pas dans ces cinématiques-là. Waouh, c'est un village ça? C'est incroyable. Fascinant. On dirait bien que ce pont-levis est le seul moyen d'entrer dans le village. Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Mais regardez, il y a un homme là-bas, de l'autre côté. Il peut peut-être nous aider. Alors, peut-être qu'on passe... Ouais, on se dit. Toucher une zone pour l'examiner. Bien le bonjour, nous aimerions entrer dans ce village. Auriez-vous l'obligeance, de baisser ce levier pour nous laisser passer? Moi c'est Franck. Franck. Franchement, j'ai pas l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer deux étrangers bizarres. Ah. Alors, vous, on peut dire que vous manquez pas d'air.
Dahlia Reynolds nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis ici. La baronne? Bon, je baisserai bien le pont-levis pour vous, monsieur, mais... Le moteur est en panne, il faut baisser le pont à la manivelle. Ah, mais qu'est-ce que ça m'énerve! Il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle, et moi je sais pas lequel choisir! Grrrr! Hé, l'intello, vous savez lequel est le bon? C'est nous l'intello, on va être très intelligent. Énigme, c'est parti! Pour 15 picards. Il est impossible de manœuvrer le pont-levis si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Touché. Donc il y a deux pistoches plus un triangle juste. Là il y a l'hexagone qui va plutôt du côté du pistoche de gauche. Alors attendez, le triangulus, le pistoche de gauche. Attends, je comprends pas le concept. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Si je clique là-dessus... Ah non merde, je voulais pas faire ça! Je voulais pas cliquer! Merde. J'espère que c'est le bon. Non mais oui, bien sûr que c'est pas le bon, je voulais pas cliquer là. Bah merde, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Ah du coup on aura pas le max de points du coup, parce que j'ai fait de la merde. On va perdre des... Oh non, on a 5 picaras en moins! Oh merde! Bon. Ah voilà. Là je vois le... Bah, c'est celui-là en fait qu'il faut prendre. C'est le seul qui a un Zygalos ici, là. Lui, il n'y a pas de Zygalos, là non plus. Et là, il y en a un beau. Donc, c'est celui-ci. Super. Et coucou, Oussu et Link. Ouais, coucou, Oussu. Yeah! Je suis professeur Layton et je suis très intelligent. Beau travail. Le pont peut maintenant être abaissé. Ok. Bingo! Attendez une seconde, je vais baisser ce pont. Oumph. Ça me plaît pas beaucoup de laisser des étrangers entrer dans la Saint-Mystère. Enfin, vous êtes les invités de la baronne, alors j'ai pas vraiment le choix. Hein. Transmettez-lui mes hommages, d'accord? Non, Oussou, t'as pas le droit. Justement, non. L'énigme numéro 2 a été ajoutée à la liste, nickel. Oh, trop cool. J'ai oublié de mettre la boîte cinématique. Enfin, nous voilà arrivés. Nous sommes arrivés à Saint-Mystère. Je suis si impatient. Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Eh bien, Luc, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Elle ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse. Luc, voyons comment nous allons nous déplacer dans le village. Une icône en forme de chaussure se trouve en bas à droite de l'écran tactile. Il suffit de la toucher avec le stylet. Cela fera apparaître une série de flèches. Il faut en toucher une pour se déplacer dans cette direction. Si nous souhaitons nous déplacer, il suffit de toucher la chaussure. Oh. 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 Bonjour. Enchanté. Bienvenue à Saint-Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. Oh, pendant que j'y pense, chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevez des picaras. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte de picaras. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picaras. Vous rendez compte, une récompense pour avoir résolu des énigmes? En parlant d'énigmes, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Merci Ingrid, on va tester. Ok.
La seule chose... Merde, attends, c'est en mode comment? Je sais pas, on se met en mode comme ça, en fait, là. En fait, faut toujours rester en mode comme ça, non? Je sais pas. La seule chose qui différencie ces quatre hauts de forme est le diamètre de leur bord. Parmi les quatre couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Attends, quoi? La seule chose qui différencie ces quatre hauts de forme est le diamètre de leur bord. Ok. Parmi les quatre couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord, donc ce diamètre-là, est égal à sa hauteur. Alors comment on pourrait le deviner? Il faudrait remarquer que là, par exemple, ici, ça représente la moitié. Attendez, comment on pourrait se faire d'un point de vue logique pour le découvrir? Celui-ci, ça m'étonnerait. Moi, j'aurais bien misé pour lui. Mais attends, comment pour en être sûr, en fait? Bah, je sors ma règle. Est-ce qu'on a le droit de sortir une règle? C'est de la triche d'avoir une règle ou pas? Moi, je pense qu'on va... Attendez, je vais même pas prendre de règle, je vais juste prendre un crayon pour comparer les tailles. Attendez. Je crois pas que ce soit le C, c'est pas bon. Je crois que c'est plus peut-être le A. C'est le A. There we go. GG, Luc. Bonne réponse. Cette illusion d'optique est très célèbre. Une illusion d'optique est un phénomène visuel que vous pouvez, qui vous fait percevoir des éléments différents. Ah merde. Je pensais que ça allait enlever le message qui disait qu'il clignotait. Bon, bref. Oh, bravo! Je vois que vous maîtrisez le sujet. Il est parfois impossible de procéder par élimination. Cependant, vous ne pourrez pas toujours tout résoudre de cette manière. Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de picaras que l'énigme va vous rapporter. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation à vous deux! Ok, donc ça fait une troisième énigme. On fait celle-ci maintenant? Vous êtes bien élégants, tous les deux. Vous venez d'arriver à Saint-Mystère, non? Je m'appelle Stachen Scarfen. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez-y, je vous dis. Vous avez trouvé une pièce SOS. Alors, c'était un bon conseil, non? Alors, ici, on appelle ça une pièce SOS. Si vous butez sur une énigme un peu coriace, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Et là, vous vous dites bien, cela rend les choses vraiment faciles. N'en croyez rien. Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS. Utilisez-les sagement. Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Ah ça, oui! Je vous préviens, les pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux. Cherchez partout. Compris? Bien, à la prochaine. Je me demande si cet hôtel accueille beaucoup de clients. Cette tour a quelque chose d'étrange. Yes. Easy. Bon, je pense que... Je pense qu'on a fait le tour des pièces SOS, là. Ouais. Et on essaye ça ? Sur ma DS, je cliquais partout, tu m'étonnes. Il faut vraiment que nous allions au manoir, professeur. Bon.
Professeur, ne devrions-nous pas garder une trace de notre progression ? Bonne remarque, Luc. Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie. Il faut tout d'abord toucher la valise située en haut à droite de l'écran tactile. Cette valise contient diverses informations utiles. Il suffit de toucher les icônes pour obtenir plus de détails. Pour sauvegarder la partie, il suffit de toucher l'icône sauvegarde. Le journal contient des notes relatives à nos aventures et à Saint-Mystère. Pour les lire, il faut toucher l'icône journal. Ensuite, il y a l'icône énigme. Il suffit de la toucher pour faire apparaître toutes les énigmes que nous n'avons découvertes. Les énigmes. Les énigmes que nous avons résolues sont précédées d'une marque. Celles que nous avons découvertes sont... sans les résoudre, apparaissent sans marque. Chaque énigme résolue peut être affichée de nouveau depuis cet écran. Pour revoir une énigme non résolue, il faut revenir à l'endroit où nous avons vu cette énigme. Le contenu de cette valise sera extrêmement utile au cours de notre enquête. Mais bien assez parlé. Nous devons nous rendre au manoir Reynolds. Une flèche sur la carte va nous indiquer la route du manoir. Il nous suffit de la suivre. Allons-y, professeur. Je me suis trompé. C'était plus... Allons-y, professeur. Ah, c'était mieux comme ça. Rendez-vous au manoir Reynolds à l'est du village. D'accord. Vous voulez vous sauvegarder? Oui. Ils nous apprennent à sauvegarder, mais au final, ils nous font des sauvegardes d'auto. Enfin, pas plus ou moins auto, mais ils nous l'ouvrent tout seuls. Ok. Alors, on fait ça. Ah. Cette tour de l'horloge est vraiment en mauvais état. Puisqu'on parle d'horloge, je te propose une énigme qui devrait te plaire. Ah, 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 ah. C'est parti pour l'énigme. Ok. Vous arrivez à lire là comme ça ou pas? Ou vous voulez que j'échange? Faut échanger hein, pour lire. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille. Pour les heures, d'une aiguille plus longue et plus rapide pour les minutes. D'accord. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour prendre des notes. Attends, ils ont dessiné une espèce de chat. Vous pensez qu'on pourrait dessiner le même? L'écran... Ok, l'écran de saisie, ok. Je sais pas trop dessiner en vrai. Bon. Moi, je pense que l'aiguille fait un tour... Du coup, ça avance la petite aiguille de 1. Donc, on va en faire 1, 2, 3, 4. Attendez, effacer. attendez. Normalement, c'est. Moi, j'aurais dit par défaut 12 fois, mais attends. Entre midi et minuit, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures? Donc, elle va la dépasser une fois. Deux fois ici. Attends, non, une fois ici. Elle va la dépasser une fois ici, deux fois ici, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois. Et là, est-ce que considère qu'elle la dépasse? Non. Du coup, la réponse est 11. Elle la dépasse pas la dernière fois puisque à minuit pile, elle la dépasse pas et ils sont au même endroit. Donc moi, je dirais 11. Ah merde. Si vous essayez avec une vraie horloge, la réponse devient évidente, mais essayez de réfléchir à la question. Bah merde. Attends, je crois que j'ai pas compris la question. Je crois que j'ai pas compris. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille pour les minutes. Plus longue et plus rapide pour les minutes. Oui, ça on est d'accord. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure. Combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Ah.
Là, elle va faire un tour complet. Du coup, l'aiguille des heures arrivera là. Donc, après un tour complet, ça fait 0. Mais après qu'elle soit arrivée environ là, l'aiguille des minutes, ça fera 1. Ensuite, on refait un tour. Ça va s'entrechoquer là. Donc, ça va faire 2. Ensuite, ça va s'entrechoquer là, 3, 4. Là, ça va s'entrechoquer là, ici, je... Attendez, non, plutôt là. Ici, pile poil, là, le 5. Donc, le 5 est là. À 6, ce sera là. 7, là. 8, ici. 9, là. 10, là. 11. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé? Donc, c'est 10, la réponse. Attends, qu'est-ce que je branle? Et coucou Zarweldo. Attends, je comprends pas. C'est quoi ce délire? Alors moi, soit c'est 10, soit c'est 12. En supposant que c'est sur... Attends, pourquoi j'arrive pas... Pourquoi c'est pas logique dans ma tête? Attendez. Si on fait un tour. De toute façon, si on fait un tour, l'aiguille, elle se déplace comme ça, là. Un tour de grande aiguille, ça fait ça. Donc si on fait un tour complet de l'horloge, de toute façon, la grande aiguille, elle fait 0. Il faudrait vraiment qu'elle arrive environ ici... Pour faire 1, 2, 3, 4, 5, là c'est 6, 7, 8, 9, 10, et après elle dépasse pas, donc c'est 10. Merde. Yes, c'est bon. Bon, j'ai été con pour la première fois en fait. J'étais un peu con. J'avais la strat de fait qu'il ne dépasse pas, mais j'avais mal... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, c'est pas grave. Tu me donnes envie d'en refaire. C'est trop bien en vrai, je suis trop content de le refaire. Je le faisais quand j'étais petit et ça fait trop plaisir. Bonne réponse. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures 10 fois. En y réfléchissant bien, la réponse est évidente, mais il est possible que vous soyez laissé piéger par la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure, mais étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre, on ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Donc ça fait moins 2. Ouais, logique. Logique, c'est 12 moins 2. Bon, moi j'ai... voilà. Voilà la réponse que j'attendais. Excellent travail, mon garçon. Contre la montre a été ajouté à la liste. Alors, il faudrait aller là-bas, ok. Mais nous, pour l'instant, on va d'abord cliquer là. Ok, on va cliquer là, là, là. Cette tour a quelque chose d'étrange. Ça, là. Ça, ça, ça. Ah, bon, le mec, le bonhomme. Oh, bonjour. Je m'appelle Percy. Je suis plus ou moins l'écrivain attiré de Saint-Mystère. Attitré, pardon. Vous cherchez le manoir Reynald? Prenez la route sur votre droite. Il est immense, vous ne pouvez pas le manquer. Mais avant de partir, pourquoi ne pas essayer de résoudre cette énigme que je vais concocter? Essayez de trouver ma maison à partir des instructions que je vais vous donner. Encore mieux, si vous parvenez à résoudre cette énigme, je vous parlerai de ce village. Alors, vous voulez essayer? Après tout, un écrivain n'est rien s'il ne peut s'exprimer. Allez, c'est parti. Hop. L'énigme. Arriverez-vous à trouver ma maison? Sortez de chez moi, tournez à gauche. C'est pas lui. Bon. On peut toucher? Donc c'est pas lui déjà. Dans la gauche. Oui. Sortez de chez moi, tournez. Donc sortez de chez moi, c'est là, tournez à gauche. Ah non, on peut pas dessiner? On peut pas dessiner, oh les bâtards! Moi je voulais dessiner. Bon. Sortez de chez moi, tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Qu'est-ce qu'ils appellent un croisement? Ça c'est un croisement? Qu'est-ce que c'est qu'un croisement? Attends. Gauche. Attends, droite c'est là, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Gauche. Sortez de chez moi, prenez à gauche. Donc gauche, ensuite à droite, on peut pas. Sortez de chez moi, on peut pas. Sortez de chez moi, prenez à gauche, ensuite à droite.
Attends, mais casse-toi. Attends, prenez encore à droite et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Attends. Au croisement suivant. Attends. Sortez de chez moi. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Donc c'est pas lui. Sortez de chez moi. Tournez à gauche. Tournez à droite au premier croisement. Je comprends pas le concept. Attends. premier croisement, prenez encore à... Attends. Il faut pouvoir faire gauche, droite, droite, droite. De toute façon, si on fait gauche, droite, 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 le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc techniquement, on s'en fout de la maison. Attends, c'est voir le lever ou le coucher. Donc techniquement, on est censé voir l'est. Donc est, si tu vas, si t'es à l'est, et que avant c'est à gauche. Avant c'est la gauche, donc ça veut dire que t'es au nord. Attends. Non, t'es au sud. Là, t'es au sud. Là, t'es au... à l'ouest. Et là, t'es au sud. Donc, techniquement, on sort au sud. Donc, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Donc là, si je vais à gauche, prenez à droite. Je comprends pas. C'est quoi le premier croisement? Ah, peut-être là, à droite. Au croisement suivant, prenez encore à droite et vous pourrez voir le... Je sais pas, je comprends pas le concept. Pour moi, ça vient du sud, donc c'est elle. En vrai, je pense que je réponds un peu vite. Je crois que c'est mort. Je crois que j'y suis allé beaucoup trop vite. Non, je suis vraiment un trou du cul. Alors attendez, il faut juste réfléchir un petit peu plus longtemps. Vérifiez l'itinéraire depuis le porche de chaque... Mais en fait, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est la question de... au prochain croisement. Qu'est-ce qu'ils appellent un croisement en fait? Ça c'est bizarre. Sortez de chez moi et tournez à gauche. Je sors de chez lui, je tourne à gauche. Donc j'arrive là. Et la droite, ensuite c'est là. Donc on peut pas... Ça peut pas être lui de toute façon. Prenez à droite au prochain croisement. Peu importe, même s'ils appellent que le croisement c'est là, on peut pas là. Donc on laisse tomber. Ensuite, sortez de chez moi, prenez à gauche. Ensuite à droite. Et on peut plus aller à droite après, donc c'est mort. Attends, mais non, c'est à droite, là. C'est là, gauche. Attends, sortez de chez moi, prenez à gauche. Elle est à gauche, c'est plus par là. Ensuite, à droite, c'est pas possible. Donc, c'est pas lui. Ensuite, sortez de chez moi, prenez à gauche. Ensuite, à droite, c'est pas possible. Sortez de chez moi, on peut pas sortir. Sortez de chez moi, prenez à gauche. Ensuite, à droite, c'est pas possible. Sortez de chez moi, prenez à gauche. Ensuite, à droite, peut-être. Et encore à droite. Mais là, on voit pas du tout. On voit le sud. Sortez de chez moi. Prenez à gauche, on peut pas. Attends, la gauche c'est là, pardon. Sortez de chez moi, prenez à gauche, ensuite à droite. Attends, sortez de chez moi, prenez à gauche. Non, c'est celle-là la gauche. Gauche, puis droite. Attends, se trouve c'est ça, droite, droite. Mais là on regarde à l'ouest, et normalement c'est à l'est qu'il faut regarder. Attends, c'est quoi cette délire? Bah celle-ci on peut pas sortir, on est d'accord. Bon, de toute façon... Il y a deux maisons qui regardent à droite. Il y a trois maisons qui regardent à droite. Non, sortez de chez moi, tournez à gauche. Je sors de chez lui. Je tourne à gauche. J'ai tourné à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Ah mais d'accord. Attends, c'est peut-être pas comme ça que je le vois. C'est peut-être ça. Hein, oui, c'est l'intérieur des zones. C'est pas l'extérieur. Sortez de chez moi, prenez à gauche. Au premier croisement, tournez à droite. Je l'avais mal compris le truc. Au croisement suivant, prenez encore à droite. Donc c'est pas lui. Attends. Gauche. Non, normalement c'est vers le bas. Donc là je prends à gauche. Ensuite à droite. Ensuite à droite. Donc c'est celui-ci peut-être. À gauche. À droite. À droite. Donc c'est lui. Je m'étais mal basé. Luke, here's my answer. J'avais compris. Moi, je voyais pas qu'on était sur les chemins. Pour moi, les chemins, c'était les carrés, un peu comme un jeu de dames ou d'échecs. Mais non, c'était vraiment l'intérieur. Picard a remporté. Bah nickel, GG. Hop. C'est con. À chaque fois, on réussit du deuxième coup. Il est bien plus facile de résoudre ce type de problème en commençant par la fin, sachant que le soleil se lève à l'est. Votre parcours doit. Oui, mais ça, c'est ce que j'avais.
C'est ce que j'avais grillé, mais je le voyais pas dans l'autre sens. Surtout que je voyais que c'était au sud, moi, en calculant. Puis deux fois à droite, voici le chemin à prendre. Si vous commencez par la fin, faites demi-tour. Tournez deux fois à gauche. Encore du travail ? Encore du travail. Et salut Anubis, bienvenue à toi. Voilà, orienté vers le sud. Attends, je veux bien le lire, je veux bien comprendre. Depuis la maison, tournez à gauche, puis deux fois à droite. Voici le chemin à prendre si vous commencez par la fin. Faites demi-tour. Tournez deux fois à gauche, puis à droite. Et voilà, orienté vers le sud, ce qui veut dire que votre maison fait face au nord. Ah mais oui, j'avais compté que la maison... j'avais compté que c'était au sud, mais pour moi, c'était la maison qui devait face au sud. Mais non, c'est l'inverse. En fait, c'est un peu brain... C'est plus facile, cette technique, mais c'est brainfuck parce que tu dois réinverser à chaque fois. Donc c'est moins... Et surtout que tu peux pas l'imaginer visuellement. Impressionnant. Moi qui croyais avoir imaginé une énigme complexe, il ne vous aura pas fallu longtemps pour en venir à bout. Allez, chose promise, chose due. Je voici les informations tant attendues. Et salut, saucisson. La famille Reynolds possède tous les terrains sur lesquels le village était bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments, d'après ce qu'on m'a dit. En fait, je pense qu'on peut dire que ce village appartient, en quelque sorte, aux Reynolds. Bien, c'est tout pour le moment. Ma prochaine énigme sera bien plus difficile, vous verrez. Ok. Ça. Ok. La porte est fermée. Ok. Oh. Pardonnez-moi, professeur, mais je crois que la baronne nous attend. Ok. Let's go. Professeur, regardez cet homme là-bas. Il m'a l'air louche. Il bloque le chemin menant au manoir Reynolds. Non, mais je vous jure. Il daignera peut-être nous laisser passer, mais rien n'est moins sûr. Non, d'où il bloque le passage ? D'où il bloque ? Expliquez-moi en quoi le mec il bloque ? Il y a 30 mètres entre les deux là, mais le gars il bloque quelque chose. Il bloque que dalle. L'énigme, la solution de l'énigme, c'est genre de passer par là, tranquillement. Mais apparemment, il considère que le mec bloque. En fait, au niveau de la carte, le gars ici, on a juste à... Voilà, tranquille. Les tonneaux là. Non ? Oui. Yeah. Professeur, il faudrait ne pas passer par là. On a autre chose à foutre. Oui, ça, on a compris. On a compris, petit gars. On va parler au mec, hein. Au père, tu le pousses. Hop là, vous deux. Je ne vous ai jamais vu par ici. Il m'a l'air aveugle, quand même. Enfin, on dirait qu'il a des lunettes aveugles, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui amène deux petits nouveaux comme vous dans le coin, hein? Nous sommes des invités de la famille Reynolds. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons affaire à de l'autre côté de cette grille. Invités des Reynolds, hein ? C'est pas net du tout, ça. Pas net du tout. Vous êtes suspects tous les deux. Je ne vous fais pas confiance, vous voyez ? Enfin, je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme. Ok ? Je vous préviens. Elle est pas facile, ce sera pas du gâteau, d'accord ? Oh non, pas du gâteau. Ok, ce ne sera pas du gâteau. Let's go. Vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identiques. Cependant, l'un d'entre eux est un peu plus léger que les autres. En utilisant la balance que 2 fois, saurez-vous identifier quel poids est le plus léger que les autres ? Ça veut dire quoi, utiliser la balance ?
Attendez. Bon, attends. Et coucou aux Mims, bienvenue. T'inquiète frérot, je l'ai pas non plus. Mais ce qui m'emmerde, c'est que j'en ai résolu il y a pas longtemps, à peu près pareil. Bon, on va revenir et on va essayer de calculer. Alors, techniquement, il y a des poids. Il faut que j'en teste un maximum pour savoir... Alors si j'en teste que... Ah bah d'accord, j'en teste que la moitié en fait. Comme ça, il m'en reste deux. Et comme ça, entre les deux, je pourrais savoir. Et là, je ne peux pas savoir. Là, je regarde. C'est le même poids. Du coup, c'est entre les deux là et j'ai trouvé. Non, moi, GG, c'est nickel. Bon, il suffisait de réfléchir une seconde. Yeah. Luke, here's my answer. Je suis si malin. Bonne réponse. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Cookie on... Hype. Cookie Hype. On a un nouveau sub de Dark Pit. Merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement, Dark Pit. Ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment. Et on va pouvoir lire la réponse. Afin d'écarter le rôle du hasard, vous devez placer 3 poids sur chaque plateau de la balance pour votre première pesée. Si vous avez réussi à aller jusque là, le reste coule tous de source. Et oui, tranquille. Alors. Eh, hey, pas mal du tout. Non. Eh, hey, pas mal du tout. Vous êtes des malins, vous deux, hein? Ouais, deux petits futés. Alors, êtes-vous satisfait? Pouvons-nous passer maintenant? Bien sûr que vous le pouvez. Allez-y et présentez mes hommages à la baronne, d'accord? Ok, c'est parti. On va pouvoir passer. Il s'est barré. Oh, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Enfin, du bateau, tout ça. Oh, c'est pas l'énigme avec le loup? Genre le loup qui doit traverser le bateau? Un truc comme ça. Bon, on va voir. Messieurs, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Je m'appelle Layton. Et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Reynolds. Ah oui, bien sûr, nous attendons tous, c'est le professeur Layton, n'est-ce pas? Eh oui, Dark Pit, c'est Layton et l'étrange village, bienvenue à toi. Ah, tu le connais pas, en plus c'est le premier, je crois. Toutefois, vous comprendrez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas? On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours, vous savez. Après tout, vous pourriez bien n'être qu'un criminel de bas étage, coiffé d'un haut de forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Layton? Non, mais vous entendez ça? Pour qui il se prend, celui-là? Vous n'avez quand même pas laissé passer ça? Du calme, Luc! On va le balayer, ce bonhomme! Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité? Exactement, professeur. J'aimerais que vous résolviez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Allons-y. Résolvons cette énigme pour lui, n'est-ce pas? 50 picara! Ça va te donner de la thune à ça. Ah. Vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut accueillir plus de 2 animaux. Vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide. S'il y a plus de loups, s'il y a plus de loups que de poussins, sur une dérive, les loups mangeront les pauvres volatiles sans défense. Alors attends, vous pouvez déplacer le... Ok. Bon, alors moi ce que je propose... Oui, j'ai compris. Alors, on met un loup. On l'envoie. Non, annulé. On met un loup, un poussin, on l'envoie. On remet le poussin, on le renvoie. On remet... Ah, il y a 11 emplacements max. Merde. Ah merde. Annulé. Un loup, un poussin. Un poussin.
Un loup. Un poussin. Attends, sois-je prêt. Qu'est-ce que je ramène? Je ramène un poussin. Et je renvoie quoi? Un loup? Ou deux poussins? Bah non. Deux loups? Attends, le but c'est ramener quoi? Tous les animaux de l'autre côté, hein. Ah oui, je ramène deux loups. Je ramène un poussin. Un loup. Je mets deux poussins. Je ramène un loup. Non. Je ramène... Ah bah merde. Je ramène deux loups. Non bah non. Je ramène deux poussins. J'ai fait une connerie là, non? Je ramène un loup. Je ramène deux loups. Je ramène deux poussins. Un poussin, un loup. Ah merde, j'ai fait de la merde annulée. Ça va être marrant. Alors. Donc. Je mets un loup, un poussin. Je ramène quoi? Un poussin. Je ramène deux loups. J'en ramène un. Je renvoie deux poussins. Je ramène un poussin. Non. Non ! Mais non, je suis con. Je mets un loup, un poussin, j'envoie. Je ramène un poussin. J'envoie un loup, un poussin. Non. J'envoie deux poussins. Merde. Je ramène... Ah merde, je suis con. Attends, je prends un loup, un poussin. Ok, je ramène un... Non, pas un loup, je ramène un poussin. J'envoie un loup, deux loups. J'envoie, je ramène un loup. J'envoie deux poussins. Je ramène un poussin. Ah merde, mais quel con, je réfléchis pas. Un loup, un poussin, j'envoie, je ramène... un poussin. J'envoie deux loups. J'en ramène un. Je renvoie deux poussins. Je en ramène un. Ah merde, je suis con, mais je fais deux fois la même chose. Attendez, on va se concentrer. Alors, on recommence. Un loup, un poussin. Ok, je ramène un poussin. Je renvoie deux loups. Je trouve que c'est l'autre technique en fait. Si je fais l'autre technique, si je fais ça, je ramène... Non, je peux pas ramener un loup de toute façon. Donc je ramène un poussin. J'envoie deux loups. J'en ramène un. J'envoie... Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. H-E-Y-Y-Y. Et coucou Dafgun, merci pour ton sub, bienvenue à toi, comment ça va? Comment vas-tu? Bon, Windows installé sur un de mes téléphones. Tu mets Windows sur des téléphones? Ça te sert à quoi? Alors, là je pense que je suis dans un petit problème. Attends, je pense que... Parce que, techniquement, j'ai deux poussins, j'ai trois poussins là, j'ai deux loups en face. Si j'envoie deux poussins, je peux. Le problème, c'est qu'après, qu'est-ce que je ramène? Peu importe ce que je ramène, il y aura un son d'ombre. Du coup, en fait, je suis rentré dans une erreur. Donc, en fait, il faut pas qu'il y ait deux loups et un. Attends. J'en envoie deux loups. J'en ramène un. Ça, c'est obligé. Ensuite, je ramène qui? Si je ramène un loup, de toute façon, c'est mort. Si je ramène un poussin, de toute façon, c'est... Bon, donc je ramène un poussin. Ensuite, j'en renvoie encore un loup ou un poussin. Mais non, ça va faire un sous-nombre, donc c'est pas bon. Donc je dois ramener deux loups. J'en ramène un.
j'amène deux poussins. Et après, c'est la mort. Ah, après, je ramène un loup, un poussin, bien sûr. Ce qui me permet de ramener deux poussins. De ramener un loup. De rebalancer deux loups. D'en ramener un. Et d'en renvoyer deux. Ok, c'est bon. C'était long, mais ça s'est passé. Je suis content. C'est trop marrant, c'est satisfaisant en vrai, ce jeu, c'est trop cool. Et on a un nouveau follow de Alal Drake. Bienvenue à toi, Drake. Alors. Beau travail. Cette énigme peut être résolue en 11 déplacements. Combien en avez-vous fait? Bah, 11. Il existe de nombreuses variations de ce problème. On a retrouvé de telles énigmes dans des écrits vieux de plus de 2000 ans. D'accord. C'est trop marrant, ça, je sais pas. C'est cool. T'as sub 1h30 sur SMO, j'ai fait 1h24 d'Avgun sur SMO. Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde? Je pensais que la baronnette serait la seule à m'attendre. À m'attendre. Par ici, je vous prie. L'énigme numéro 7 a été rajoutée. Ah, c'est la version 1. Il y aura d'autres versions de cette énigme. Mon but, c'est de faire ouais, 1h20, moins d'1h20 sur SMO et après, je passe à Breath of the Wild. Ça fait plaisir. J'aime bien galérer sur des énigmes et finir par trouver. Je trouve ça c'est satisfaisant. Alors, peut-être qu'on va... Le manoir est vraiment gigantesque. Ah. Ok. Waouh, regardez ces fleurs, elles sont vraiment jolies. Ah. Assurément, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour les faire pousser. Ces fleurs me font... Ah mince, désolé. Ah, je vous écoute, professeur. Bon, ces fleurs me font penser à une énigme, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Le whopping. Et c'est parti pour la nouvelle énigme. Hop là. Antoine et Jean-Thomas ont été embauchés par un fermier pour semer des graines. Un terrain de 4 hectares a été séparé en deux. Donc 2 hectares chacun. Ah non, on sait pas. Afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Jean-Thomas commence à l'est tandis qu'Antoine commence à l'ouest. Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes. Cela en prend 40 à Jean-Thomas, mais il sème les graines 3 fois plus vite qu'Antoine. Sachant que la rémunération pour l'ensemencement de la totalité du terrain a été établi à 100 euros, combien Jean-Thomas doit-il recevoir? Alors. Il y a Jean-Thomas et Antoine. Ok. Il y a un terrain de 4 hectares qui a été séparé en deux. Mais je sais pas si c'est deux parties exactes. Hein, afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Bah, je sais pas si c'est 50-50. Donc on va partir du principe que c'est 50-50. Donc il y a 2 hectares à travailler pour l'un et 2 hectares pour l'autre. Il commence à l'ouest. Il laboure 1 hectare en 20 minutes. Donc en 20 minutes, c'est Jean comment? Jean-Thomas? Antoine laboure. Attends, c'est 20. Donc en 20 minutes, il a fait 1 hectare. Donc on va dire une flèche, 1 hectare. Donc à 40 minutes, il a fait son deuxième hectare de labourage. Alors que lui, en 40 minutes, il a fait 1 hectare. Mais il sème les graines 3 fois plus vite qu'Antoine. Bah, je pense que ça va pas être 2-2. Ça veut dire quoi? Semer les graines 3 fois plus vite. Attends, c'est galère. Ta cam sur la scène cinématique est un pixel ou deux trop à droite. Ah, je corrigerai ça quand on sera dessus. Attends. Pas trop à droite. Ah, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et bonsoir, je suis Capic, bienvenue. Alors, moi, ce que je pense, c'est que lui, il a fait un premier hectare, là, déjà. Lui, alors, pendant qu'il y en a un qui a fait un hectare... Bah, lui, il lui reste un hectare à faire, en fait. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est si Antoine, bah, vu qu'il reste encore un hectare à fabriquer, est-ce que...
Moi, je pense que... Ah, je sais pas. Moi, je pense qu'Antoine, il fait 2 tiers d'hectare. Donc, 2,66. Au bout de 60... Ah, merde, non. Au bout de... Bah, de 57 minutes. Attends, je trouve que c'est pas ça, le problème. 56. Et 0,33. 1,33, plutôt. Il fait 1,33... Après, bah 56 minutes. Attends. Il sème les graines 3 fois plus vite qu'Antoine. Ah d'accord. En gros, le champ est fait. Donc là, par exemple, il aurait semé un nombre X de graines. Comment ça 3 fois plus? Je comprends pas le concept. Attends. Un terrain de 4 hectares est séparé en deux. Attends, et on va faire mieux. On va prendre les 4 hectares séparés en deux. Merde, attends. Effacer. Hop. Là, c'est notre terrain. Et il y a 4 hectares. Ok. Il y a... Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes. Donc pendant 20 minutes, il va labourer les hectares. Et l'autre, alors on va mettre que c'est Antoine et Jean. Là, attends, c'est 4 quoi? Attends, j'ai mis quoi? Pourquoi j'ai mis un 4 ici, moi? Ah, il met 40 minutes. Là, il a labouré. En gros, ils ont labouré chacun leur champ. Bah, lui, du coup, il a eu le temps d'en labourer 2. Donc Antoine a labouré tout ça pendant que Jean en a fait que 1. Donc après, comment on se débrouille là-dessus? On fait 2 tiers, 1 tiers, je pense. Moi, je pense que ça se découpe comme ça. Hein. Antoine et Jean. Et après, le temps, on s'en fout, le temps qui reste. Il sème les graines 3 fois plus vite. Donc, il sème les graines 3 fois plus vite. Ça veut dire quoi, semer les graines 3 fois plus vite? Et coucou, Rebolax. Comment vas-tu? Bienvenue, Rebolax. Si je réfléchis... Donc, en gros, ça veut dire qu'en 20 minutes... Mais je comprends pas ce concept. En 20 minutes, il a semé combien de graines? Enfin, bon, il a semé... Bon, imaginons... Antoine... sème... une graine... par minute. Du coup, Jean, il en sème... 3 par minute. On est d'accord. 3 fois plus vite. Je comprends pas la question. J'ai pas compris la question. Bah, Cuivreux, moi je suis pas d'accord avec toi puisque... Bah... Au bout de 40 minutes, ils auront fait 3 quarts du champ. Mais il reste encore ce dernier quart à travailler. Et Jean et Amaury, ils auront tous les deux fait leur... Enfin, ils auront pas touché à ça après 40 minutes. Et pourtant, tout le reste sera fait en 40 minutes. Donc, ils sont obligés de se partager ce reste-là. Mais en fait, moi, c'est le lien avec les graines que je comprends pas. Là, en gros, en 20 minutes, on va dire qu'Antoine a semé X graines... Et donc, en 40 minutes, il en a semé combien, Jean? Il en a semé X? Enfin, il en a semé 3X ou 6X? Puisqu'il a passé 2 fois plus longtemps. Moi, je dirais 6X. Mais bon, ça voudrait dire qu'il aurait mis 2 fois plus de graines ici que là. Et c'est complètement con. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Mais alors, si on part du principe qu'il met autant de graines de chaque côté, ça veut dire que c'est pas 6X, c'est 3X graines. Bah, je comprends pas, il met plus de graines ou pas, cet enculé? Il va plus... Attends. Un terrain à 4 hectares. Afin qu'il puisse travailler séparément, la moitié commence tandis qu'Antoine commence à l'ouest.
Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes. Mais ils sèment quand les graines? Au fur et à mesure ou pas? Sachant que la rémunération pour l'ensemencement de la totalité du terrain a été établie. Ah, alors peut-être qu'il faudrait juste... Le concept, c'est juste en gros. En gros, quand on laboure un truc, je pense que ça nous appartient. Et donc, du coup, Jean possède cette partie-là, il possède cette partie-là, et il possède 2/3 de celle-ci. Antoine, il possède celle-ci et celle-ci. Du coup, Jean, il a 1/4, 2/4, donc 0,5 plus 0,25 fois 2/3. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Je veux pas te spoil, mais relis bien le début de l'énoncé. Merci, oui, pour ton 7e mois d'abonnement. Je vais relire le début. C'est un terrain de 4 hectares. Oui, mais le séparer en deux, moi, c'est... Alors, moi, je pars du principe que séparer en deux, ça, si je fais ça, ça s'appelle séparer en deux. Hein. Et c'est qui l'autre? C'est Antoine. Ça, moi, j'appelle ça séparer en deux. Séparer en deux parties égales, ce serait plus ça. Mais séparer en deux, moi, je pense que... Moi, je pense que, justement, le jeu, ça va être ça. Ça va être juste de calculer ce truc-là. Donc, en gros, 0,5 plus 2/3 de 0,25. Donc, 2/3 de 1/4. Donc, ce qui nous fait... 1/2 plus 2/12. Donc ce qui nous fait... Merde, attends. 1/6. Donc 1/2 plus 1/6. 200 balles. 200 et hop. Hop. Attendez, on fasse. Pour moi, c'est 1/2 plus 1/6 multiplié par 100. Je pense que c'est ça. Hein. Donc ça fait 4/6 fois 100. Ce qui fait 400 sur 6, 6 fois 4. Attends. J'ai fait de la merde. Oui, mais j'ai compris, mec, c'est évident. Tout est dans l'est. Et de l'est à l'ouest. Ah mais oui, ils font de l'est à l'ouest. Attends. Afin qu'ils puissent travailler sur leur moitié, Jean-Thomas commence à l'est tandis qu'Antoine commence à l'ouest. Bon, attends, on va faire un chant. On va faire un chant. Ok. Jean-Thomas. On est Jean-Thomas. Donc en 20 minutes, on fait 20 minutes de travail là. 20 minutes, sachant que c'est ça les passerelles. Donc là, il commence à labourer. Il fait ça, ça. Bon, en gros, en 20 minutes, il fait tout ça, en gros. Jean-Thomas. Attends, c'est qui? C'est Antoine ou Jean-Thomas? Qui commence à l'ouest? L'ouest, c'est Antoine. Ah merde, Antoine, il ira deux fois moins vite. Attends, Antoine laboure 1 hectare en 20... Ah non, si, c'est bon, Antoine, il est rapide. Cela, on prend 40 à Jean-Thomas. Donc Jean-Thomas... Attends, Antoine, il est là. JT, Jean-Thomas, il est là. Alors mec, j'ai travaillé à la DTT, je t'assure qu'il est... Il y a aucun champ comme ça qui existe. nous, c'est Jean-Thomas, nous. Oui, nous, c'est Jean-Thomas. Nous, on va deux fois moins vite. Ah mais ouais, je m'étais confondu, Jean-Thomas et Antoine. Donc, pendant que lui... Donc là, en 20 minutes, il s'est passé ça. Chez Antoine... Non, il a fait 1/4. 1/4 des 2/3. Bon, on va arrêter de faire le con. Ils ont coupé en deux, imaginons. On va faire un quadrillage comme ça. Bah, les 4 hectares. Jean-Thomas. Attends. Qui commence à l'ouest? Qui commence à l'ouest? Jean-Thomas, c'est écrit où? Jean-Thomas commence à l'est. Donc J-Thomas. Il est là. Et Antoine commence à l'ouest. Antoine. Antoine, il fait 1 hectare en 20 minutes. Donc en 20 minutes, Antoine a fait ça. Ok. Antoine a fait ça en 20 minutes. Ensuite, Thomas, lui, en 20 minutes, il a fait...
Jean-Thomas, pardon. Il a fait ça. Du coup, en 40 minutes, Antoine, il a fait ça. Et du coup, Jean-Thomas, il a fait ça. Et donc, ça nous revient au même délire de 2 tiers. Ça, ça représente 2. Ça, et ça, ça représente 1. Et du coup, on est là. Ce qui va 2 fois plus vite. Donc ça, c'est au bout de... Là, on est à 40 minutes environ. Et... Mais moi, pour moi, c'est ça. Et donc, Jean Machin, il fait tout ça. Et tout ça, ça représente quoi? Ça représente 1/4 plus 1/3 de 1/4. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. RPZ, le bac 5G4 Institut. Vive Nathalie Gagnère 3. Merci Revolax pour le subprime. Représente le bac plus 5 Institut G4. RPZ. RPZ Revolax. Donc, moi je pense que c'est 1/12 plus 1/4. Donc 1/4 c'est 3. C'est 3/12. Donc 3/12. Donc 4/12. Non, ça représente 1/4. C'est 4. Attends, 1/4. Attends, je sais même plus faire 1/4. 3 x 4, 12. Donc, 3 x 4, 12. Donc c'est, oui, 3/12 plus 1/12, ça fait 4/12. 4/12, 200. 4/12, 200. Ça nous fait 33,3. Mais ça peut pas être un chiffre... Je joue à Professeur Layton depuis que j'ai 12 ans. Il y en a un, j'ai mis 2 ans à comprendre l'énigme. J'avais acheté tous les indices. Et ma famille s'est mise dessus. Ça, c'est trop bien. Moi, je sais que j'avais fait quand j'étais gamin. Et en fait, moi, je comprends pas la faille dans mon raisonnement. Parce que là, on tombe sur un putain de chiffre à virgule. De nombre à virgule. C'est pas possible que ce soit un nombre à virgule. Attends. Combien il doit recevoir? Moi, pour moi, il gagne... 4/12 de 100... ce qui fait... Attends. 4 divisé par 12. Je vais regarder quand même combien ça fait. 4/12 de fois 100. Ça fait 400 sur 12. Ce qui nous fait 33,333. Ce qui représente 1/3. Mais c'est pas possible. Puisqu'il gagne 2 fois plus, lui, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Il sème 3 fois plus vite. J'avais oublié qu'il se met... Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas grillé le moment où il sème des graines. D'où il sème 3 fois plus vite? Il sème quand, cet enculé? Donc en gros, lui, il a semé 3 fois plus dans 1/3 du terrain. En fait, lui, il a fait 2/3. Il y en a un qui a fait 2/3, l'autre 1/3, en fait. 1/3. Et il va juste 3 fois plus vite. Ah, mais oui, d'accord, c'est juste ça. Donc, il y en a un qui a fait 2/3 en X temps. Non, on s'en fout du temps. Il a fait 2/3 2/3 fois x graines, et l'autre il a fait 1/3 fois 3x graines. Et donc du coup, il y en a un qui a planté x graines, et l'autre qui en a planté 2/3 de x. En tout, ils ont planté. Ils ont planté trop de graines. J'ai l'impression d'être débile. Mais déjà, ils sont peut-être payés 100 euros chacun. Donc, point barre, on est en France. Merde. Je crois que j'ai compris. Attends. Je crois que moi, je m'y prends pas bien. Alors, bon, moi, d'après ce que j'ai compris, Antoine a labouré 2/3 du champ. Et Jean-Kévin a labouré 1/3 du champ. Sur ces 1/3, une fois qu'ils ont labouré,
il commence à mettre des graines. Mais non, parce qu'il y a le système de temps que j'ai pas grillé non plus. il va pas tarder à nous sortir une équation à deux inconnus. Non, en vrai, non, on y est pas. Vas-y, mais le professeur Layton suivant, on aura peut-être plus de chance. Non, on continue. Attends, on va la résoudre. On est quand même qu'à la quatrième énigme hein, de tout le jeu. Attendez. On va compter le temps. On va compter le temps. Lui, il fait deux tiers. Deux tiers... Pourquoi ? Ouais, deux tiers de... De 4. Deux tiers de 4 hectares. Et coucou Hugo, bienvenue à toi. Alors attends, celle-là on prend 40. En fait, il y a 3. Bon, on va essayer d'y aller de façon... on va reprendre de base, la base. Antoine, il fait... On veut savoir combien il fait d'hectares, déjà. Antoine, il fait X hectares. On va faire plein d'inconnus. Il fait X hectares. On va appeler H. Antoine, il fait H hectares. On va l'appeler HA. Il commence à l'ouest. On va mettre un W, là. Ok. Et Jean-Pascal, il commence à l'est. Et il fait... HJ hectare. Il en fait deux fois plus, Antoine. Donc c'est fois deux. HA égale 2 HJ. Je me rappelle, en CE1, j'étais trop fort pour les équations. C'est cool de relire. Relis la première phrase. Antoine et Jean-Thomas ont embauché par un fermier pour semer des graines. Ouais. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et on a un sub de qui? Attends, j'ai pas vu. De Yasamato. Merci beaucoup, Yasamato, pour ton 5e mois d'abonnement. Merci infiniment. C'est pas un jeu de maths sup. Bah, attends. Relis la deuxième phrase. Un terrain de 4 hectares est séparé en deux. Un terrain de 4 hectares, il est séparé, mais on ne sait pas où. Afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Donc c'est vraiment en deux comme ça, du coup. C'est juste ce mot-là, en fait. Jean-Thomas... Je vois pas pourquoi il nous casse les couilles avec l'Est et l'Ouest. Et pourquoi c'est en rouge? Pourquoi ce putain de mot n'est pas en rouge? Pourquoi il est pas rouge le moitié? D'où c'est la moitié? C'est pas la moitié! Il serait en rouge le mot! Ils sont pas cons non plus! Il s'est séparé en deux! Tu t'expliques pas dans la phrase qui te dit que c'est séparé en deux, tu le mets dans la même phrase quand tu fais des vraies questions! Tu dis un terrain de 4 hectares est séparé en deux parties égales! Afin qu'ils puissent travailler séparément! Tu dis pas afin qu'ils puissent séparer séparément sur leur moitié sans le mettre en rouge! Je comprends pas. Bon, imaginons que ce soit deux parties égales. Donc là, on se base pas sur un système d'espace, mais on se base sur un système temporel. On se base sur le temps. Donc on divise en deux. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle du temps, en fait? Ils en parlent du temps ou pas? Est-ce que c'est en rouge? Oui, et faire un hectare en 20 minutes. Bon. Ils mettent les graines après? Ils les mettent quand, les graines? Quand est-ce qu'ils branlent? Qu'est-ce qu'ils branlent avec leurs graines? On sait pas quand est-ce qu'ils les mettent. Je suis d'accord avec toi, j'aurais ajouté égal si c'était le cas. Et c'est pour t'induire en erreur, ils sont payés équitablement. Ah ben oui! Bon bah 50 balles. Bon, Victor, c'est de la merde. Si c'est vraiment 50 balles, c'est vraiment des cons. How does this sound? Fils de pute. Oh nul. Bon ok, on s'est fait avoir par Layton. I did it! Bon merci Cuivreau. Rien compris. Attends, ils font chier à faire un truc où faut réfléchir alors qu'en fait non. Bah Nictar, je veux même pas la réponse, je veux Nictar à la réponse, je m'en bats les couilles. On continue. Corée.
Correct. Je te félicite, Luke. Tu as réussi à ne pas réfléchir sur une question où il ne fallait pas réfléchir. GG. Allez, on continue, ça m'a gonflé. Alors, je sens qu'il y en aura d'autres des questions qui vont me gonfler. Allez, on y va, on va dans le château. Hop, hop, c'est parti, on se barre. C'est ça, le manoir, professeur! Il est gigantesque! Non, mais regardez la taille de cette maison! On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit, Luc. Abusé, MDR. Coucou Zelda BOTW. Le manoir de Reynold. Rendez-vous au manoir de Reynold à l'est du village. On y est, on a aussi. Luc et le professeur sont finalement arrivés au manoir Reynold. Entrons. Oui, professeur. Nous allons entrer. C'est parti. Attends, déjà, on va cliquer partout avant. Oh oh. Oh. Bon, bienvenue au manoir Reynold. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Mathieu, le majordome de la famille Reynold. On vous attend dans le salon si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Qu'est-ce qu'il a, le fond vert, Baba Case? Et coucou Fraville, et salut Atom Otaku, bienvenue. C'est quoi le problème, Babakez, avec le fond vert? Est-ce qu'il bug? Y'a rien qui bug? Je sais pas. Ouais, bizarre ce que tu me dis là. Bon. Bah tu n'es pas incrusté dans le jeu? Tu n'es pas incrusté dans le jeu? Je comprends pas le problème. Bon, j'ai pas compris. Soumettre... Ah! Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je vous prie de ne pas vous offusquer. Madame a parfois des idées étranges. Alors. Non, alors. Pour déplacer... Ah, les allumettes. Oh, alors, les trucs avec les allumettes, là, j'en ai vu plein. Mais je vais pas savoir la faire. Fais un 8 avec 3 allumettes. Ça va être une énigme à la con comme ça, c'est sûr. Paf le chien. Bien vu, Paulinette. C'est un spoil, ça, Paulinette. Hein. Tu m'as spoilé le titre de l'énigme. Alors, les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé. Déplacez 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Dans cette énigme, tu as des questions de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Alors, j'ai pas compris le concept. Attends, un chien écrasé. Là, j'ai pas compris. Ça va être dur, celle-ci. Et coucou, Polo. Bienvenue à toi. Bah en vrai, je sais pas quoi faire. Hein hein qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un chien. D'accord, partons du principe que c'est un chien. Elle a été écrasée... Attends, en train de traverser la route, par exemple, l'a écrasée. A déplacé 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ce délai? Il a plus de jambes peut-être? Je sais pas dans quel sens regarder tout ça. C'est une question de perspective. Qu'est-ce qu'ils appellent un chien après l'accident? En vrai, le Vovius quand tu connais, mais il me semble que c'est pas facile à appréhender. Attends, je suis le seul à pas l'avoir. Bon. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la merde. C'est quoi ce délire? Coucou Anaïs, bonsoir. Je
mais je ne me rends compte à quel point je lisais pas tout, on n'essayait pas de comprendre ce que l'on me disait. Bon, le chien est écrasé. Déjà ça, c'est pas un chien, mais bon ok, on va dire que c'est un chien. Donc pourquoi c'est un chien ? Parce qu'il a 4 jambes, une queue et une tête. D'accord ? Un chien écrasé. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Tout est question de perspective. Donc il est pas de profil ? Putain, moi je le vois de profil. Attends, il est peut-être dans l'autre sens alors. Il est de dos ? Non ? Bah non. Attends, c'est peut-être pas la tête ça du coup. Elle est où la tête ? Attends. Les allumettes ci-dessus représentent un chien. Attends, il est inutile... Attends, inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Tout est question de perspective. Déplacer, représenter le chien après l'accident. Un chien avant de se faire écraser. Tout est question de perspective. Une perspective. Mais attends. c'est quoi ce délire ? C'est énorme. Putain, mais comment je faisais quand j'étais... Comment j'ai fait ça quand je... Moi, je pense que je spammais les indices. Hein. Mais... Alors, c'est une question de perspective. Inutile de représenter le chien de profil. Donc, s'il n'est pas de profil, c'est qu'il est de face ou de dos. Non, j'ai pas su coder ce jeu. En fait, il faut voir ça comment ? Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. On a un sub de Tifachou. Merci beaucoup pour ton sub, Tifachou. Bienvenue à toi, comment vas-tu ? Alors, attends. Bah, moi, j'aimerais bien le voir de dessus, le chien mort, mais... Ah, du coup, c'est comme ça. Non, c'était pas comme ça. Attends, c'est presque comme ça. Mais genre, les jambes... attends, faudrait que les jambes soient symétriques. Ah bah, comme ça. Ah, pas mal. Validé. J'avais un peu de temps à comprendre. Un peu de temps à comprendre le concept. Kiro, il a trop aidé en vrai. Il m'a spoil. Ça m'excite un peu trop côté Kiro. Ah oui, rentre en plan le chiot. La voiture aplatit le pauvre chien, il faut toujours. Bon. GG. Et merci Varnus pour les 100 bits. C'est parfaitement exact, toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie, il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Paf, le chien t'a ajouté à la liste. Ok. Attends, on met peut-être la bonne... Voilà, c'est mieux comme ça. Attends, on va cliquer sur les... Ah, non. Professeur, regardez les tableaux sur le mur. Quel superbe portrait ! Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Mais ce portrait, professeur... Qui peut bien être cette jeune fille ? Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron. Augustus Reynolds. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre ? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il n'en reste que ce petit morceau. Ok, il y a une collection de morceaux pour faire un puzzle, je pense, qui va nous permettre de construire un tableau. Vous les assemblez ? Ok. Ça, c'est cool. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une pièce, hein. Alors,
Donc, c'est un morceau de ce vieux tableau. Intéressant. Super, passionnant. Encore ? Non, on va pas y retourner. Ah. Flora Reynolds. Ok. Ce lustre... Ce lustre diffuse une lumière douce et agréable. Ce lustre aussi. S'agit-il d'un autre portrait de la famille des Reynolds ? Bon. Je pense qu'on a fait le tour, on va aller à l'étage. Oh, oh. Oui, à l'étage. On peut pas aller par là. Par... Attends, je veux juste quand même cliquer sur la bibliothèque, peut-être. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc. Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devrait être féru de lecture. À propos, Luc, veux-tu essayer de résoudre cette énigme ? Ah, les énigmes, j'adore les énigmes. C'est parti. Alors, équation mystère. A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Ok. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D. A fois B égale C. C moins B égale B. A fois 4 égale D. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devrait comporter les 4 chiffres dans l'ordre A, B, C et D. Alors... On sait que A est forcément inférieur à... Attends, 4A. 4 fois A est inférieur à 10, à 9. Inférieur ou égal à 9. Donc, maximum A peut être maximum 2. Donc, A égale 1 ou 2. Attends, effacer. A égale à 1 ou 2. Donc si A égale 1, imaginons dans ce cas-là. Si A égale 1, ça veut dire que B, C, D. Ça veut dire que du coup... que D égale 4. Ça veut dire que 4 moins 1 égale 3, donc C égale 3. Et du coup que B, donc 3 fois A, 3 fois 1, 3, ça veut dire que c'est égal à C. Donc C, attends, donc ça c'est bon, et A fois B, donc 3 divisé par 1, donc B égale 3. Est-ce que C moins B égale B ? C'est 3 moins... Non, à mon avis, c'est pas 1. Donc, c'est peut-être 2, du coup. Donc, dans le cas où c'est 2, B... donc, 4. Donc, c'est 8. Donc, D égale 8. Le C, on l'a pas. On a que A et D. A, D. Donc, on peut calculer celui-ci. D moins A égale C. Donc, D, c'est 8 moins 2. Ça fait 6. Donc, c'est C égale 6. Et 6. Et là, c'est 3. Et je vérifie. A plus C. Donc, 2 plus 6 égale bien 8. Ok. A fois B égale C. 2 fois 3 égale 6. Ok. C moins B égale B. C égale 6 moins B égale moins 3 égale 3. Ok. Et A fois 4 égale D. 4 fois 2 égale 8. Donc, c'est 2, 3, 6, 8. Répondre. 2. Merde. Attends, faut faire quoi ? Trouver les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre. Répondre. Ok, d'accord. Donc, d'accord. 2, 3, 6, 8. J'espère que c'est bon. Well, here's my guess. Ok, nickel. Bon, celle-ci, ça allait. Professor, I've solved it. I've solved it. Je l'ai résolu, ouais. Bonne réponse. On s'en branle, hein. On a compris. Bon, ça va. Bah, quand c'est pas des champs, c'est vachement plus facile. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc ? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. Ok, on est prêt pour des énigmes plus complexes. Chaussures à l'étage. Bonne nuit, Zelda BOTW. Fais de beaux rêves. Oh, cinématique. Attendez, hop. Non, c'était bon.
Ah, j'ai oublié de faire la transition tout à l'heure. Des fois, j'y pense pas aux transitions. Quel BG. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. C'est un honneur de vous rencontrer. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Oh non, Claudia, ma belle, reviens ici, ma douce. C'est un désastre. Pourquoi suis-je entourée d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Matthew, Matthew. Alors. Ahem, je m'appelle Rupert. Je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon, ici présent. Ou plutôt été. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Vous voyez. Enfin bref. Alors, vous êtes le célèbre professeur Layton? Je vous imaginais plus digne. Peu importe, j'ai une énigme à vous proposer. Si cela vous intéresse, connaissant vos capacités, elle ne devrait vous poser aucun problème. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Heureux, Mathéo. Heureux, bonsoir. Allez, énigme 11. C'est parti. Un peu de géo. Comme le montre le schéma ci-dessous... Oui, bon, ci-contre plutôt, vous disposez d'un quart de cercle. Ok. Ok. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD. Ok. Dont le point D, ok, se trouve sur le cercle. D'accord. Le point B est de plus... Attends, est de plus le centre du cercle. Le point B, c'est le centre du cercle, d'accord. Quelle est la longueur du segment AC? A. C. Alors, attends. Il faut... Attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait de problème de maths, ça fait plaisir, en vrai. C'est stylé. Alors, attendez. Là, c'est un triangle... Attends. On a un triangle rectangle, là. Du coup, l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais est-ce que ça nous aide? Ça, c'est l'hypoténuse. On a une hypoténuse qui... On a deux fois la même. Ils ont mis le trait rouge là, mais clairement, c'est le même ici. Et attends, nous, on doit calculer quoi, du coup? La distance... BD... BA, c'est ça? BA? AC, pardon. AC. Donc, AC, ça... Donc c'est la hypoténuse. Bon, AC, on sait que AC est égal à BD. Et que, donc, BD. Donc c'est un triangle rectangle. Et du coup, on sait que BD... Ah non, BD, on l'a pas. On l'a ou pas BD? Ah bah oui, on l'a BD. BD est égal à... à 10 et BC est égal à 5. Donc BC carré non BD carré pardon. BD carré est égal à la somme des carrés des autres côtés. Attends, il faut le mettre quand c'est la somme des carrés. Donc 5, donc 10 au carré plutôt. Attends, 10 au carré est égal à 5 carré plus x carré. C'est ça, non? J'aime pas ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Pythagore. Oh, d'accord, c'est Pythagore, là. Moi, je vois que Pythagore, là. Et coucou à Mr. Foul et Kazix. Donc, 10 au carré, ça fait 10 fois 10, 100, égale 25... plus 1 euro carré. Attends, attends, 100 égale 25 plus x carré. 100 égale à 25 plus x carré. Je sais même pas si c'est x que je calcule. Du coup, x au carré
égale à 75. Donc x est égal à la racine carrée de 75 ou moins la racine carrée de 75. Et attends, 75 la racine carrée de 75. Je suis vraiment une balle trinque. Je me rappelle, attends, c'est même pas ça du tout. C'est un trouvé à la racine carrée de 75. Je crois que je suis à côté de la plaque. Attendez, on va reprendre. On va reprendre de zéro. Putain, c'est ouf. Je suis vraiment con. Hein. Je suis vraiment con. Alors, attendez. Le segment AC. Donc, on est d'accord que AC est égal à BD. Est égal à 10. Non, mais c'est bon, c'est 10. On est d'accord, c'est 10. C'est juste facile, en fait. C'est juste facile. Ah putain, on est d'accord. There we go. J'étais parti sur de la merde. Je suis vraiment trop con. C'est incroyable. C'était pas Pythagore. C'était pas Pythagore, Miroz. Pas du tout. Elle était pas dure. Mais en vrai, je cherche trop compliqué. Je suis vraiment trop con. Je m'emmène les pinceaux, là. Et voilà, pas besoin de Pythagore. J'ai utilisé les propriétés du rectangle distant. Oui, c'est ça. Je suis vraiment trop con. C'est trop... Surtout que je l'ai vu, là. Je l'ai vu, la douille. Mais le truc, c'est que je pensais que c'était compliqué derrière. Mais non, mais je m'attends à un truc chaud, au final. Mais je suis débile. Je suis débile. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Un homme de rang inférieur serait jaloux de votre compétence. Quoi qu'il en soit, Dahlia ne pense qu'à Claudia en ce moment. Vous devriez faire ce qu'elle vous dit, même si ses exigences peuvent sembler absurdes. Ah. Un peu de géométrie à s'ajouter à la liste. Cool. Alors, ça c'est bon. On va parler à lui. Il a l'air d'être soucieux. Ah, oui, c'est bon, j'ai cliqué dessus. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Cool, tranquille, une énigme cachée, comme ça. Alors, sur l'image, c'est le sou. Ah, j'ai oublié de... À chaque fois, je pense pas à faire la transition. J'essaierai d'y penser maintenant. J'essaierai à chaque fois. J'aime pas les allumettes. Voir 4 cubes formés avec des allumettes. Ok, on voit 4 cubes en perspective, ok. Pouvez-vous faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une seule allumette? J'ai pas le concept de perspective, moi. Là, c'est un angle à 2. Là, il y a des angles à 3. Angle à 2, angle à 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3. Il y a un angle à 2, un deuxième de 2. Il y en a 3 de 2. Ah, on enlève celui-là, en fait. C'est bon, il y a un rectangle en moins. Je l'enlève, je la mets où? Je la mets... Et si je la mets juste à côté, ça passe? Attends, genre... Voilà, validé. C'est bon, non? Well, here's my guess. Bah, nous taras. Il y avait bien un triangle en moins, là. Bah, tu te fous de ma gueule? C'est ça la réponse, non? Attends, je l'enlève. Là, il y a 4 cubes. Bah là, il n'y en a plus 4, il y en a 3. Ferme ta gueule. Je la mets où, ton allumette? Dans ton cul, ouais. Attends, dessiné en dépensant qu'une allumette. Vous devriez former 3 cubes fermés. Ah, 3 cubes fermés. D'accord, donc le dernier... Attends. Ah. Ah, il faudrait la tourner, l'allumette, en fait. On peut pas la tourner pour qu'elle soit droite. Attends. Vous pouvez faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une allumette. Vous devez former 3 cubes fermés. Celui-là n'est pas fermé. Donc c'est pas ça. Et si j'enlève celui-ci? Et je le mets... Non mais lui là en fait. Non je sais pas. Pourquoi c'était lire? Qu'est-ce que j'ai encore raté? Là j'en vois 4. Là j'en vois plus 4. Du coup, je l'ai mis où, cette connasse? Je l'aurais bien mise... J'aimerais bien la tourner pour que... Attends.
Je suis persuadé que c'est là. De toute façon, là on en voit 4, là il y en a un de moins. Le seul truc c'est que là faudrait le fermer celui-ci. Et comment on le ferme? Il faudrait juste descendre une allumette. Mais non, ce serait bizarre s'il y en a une là. Il faudrait... Et salut Xelo, comment vas-tu? Et du coup celle-ci, si je la mets là, ça fait pas 3 cubes fermés, ça fait juste... Ah mais c'est... Ouais non. Ah celui-ci peut-être. Bah non. Je suis sûr que c'est celle-ci. C'est forcément celle-ci. Ah c'est comme... Bah non. C'est peut-être pas celle-ci en fait. C'est pas elle, c'est laquelle? Là on a un... Bah si c'est elle, c'est sûr c'est elle. Faut juste en foutre une là en fait. Non, mais j'ai l'impression d'être débile. Attends, sur l'image ci-dessus, annulé. Vous pouvez voir 4 cubes formés avec des allumettes. Donc on voit un cube ici, on voit un cube là, on voit un cube ici qu'on peut imaginer, on voit un cube là. Celui qui est le plus difficile à imaginer, c'est celui-ci parce qu'il ne tient debout que grâce à cette allumette. Là, il n'y en a plus que 3. Vous pouvez faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une allumette. Oh non ! Vous devez former 3 cubes fermés. J'ai déplacé l'allumette qui permet de le casser, par contre, j'ai pas 3 cubes fermés. J'en ai un qui n'est pas fermé, c'est celui-ci. Mais je peux pas la tourner, l'allumette? Ah, on peut la tourner! Ah bah nickel, bah c'est bon. Il manquait que ça. Je savais pas comment on pouvait la tourner. Bon bah c'est bon. Tranquille. Voilà. Oh, il y a intérêt, ça passe là. Connard, ouais c'est bon. C'est bon. Ils auraient pu faire un tuto. Ah mais je crois qu'il y avait un tuto justement avant que j'ai passé sans regarder. Qui t'apprend à tourner les allumettes. Trop facile. Allons, allons chercher de nouveaux défis. Et le petit gars. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de le faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vue courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame. Ah, une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là, il y a un instant. Comment? Êtes-vous resté là à la regarder s'enfuir sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot! Ce n'est pas un vulgaire animal. Elle a un nom. Elle s'appelle Claudia Reynolds. C'est une délicate petite fleur qui sait ce qu'il peut arriver si je ne suis pas là pour la protéger. Pardon. Matthew, vous devez retrouver Claudia et la ramener ici, aussitôt. Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra. Ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation? Vous auriez pu l'arrêter, vous n'avez rien fait, il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Brrr, mais quelle grosse connasse! Envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat! Quel culot! Pour qui vous prenez-vous? Ha ha! Ce n'est rien, Luc! Nous n'avons que ça à foutre! Nous adorons les énigmes! Madame la baronne a raison, nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia.
Madame, veuillez nous excuser. Nous partons chercher votre chat à la con. Merci, mais faites vite, je vous prie. Ma petite Claudia est si fragile, qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors. Bon, on va aller voir le chat dehors. Et coucou, on a un nouveau follow de Meumeu. Bienvenue Meumeu. Bon bref, je recommence, on a des TP le lundi. Et bah bon courage pour tes TP du lundi. Bah non, c'était aujourd'hui. Je vais bientôt utiliser tous les FD jetons pour accumuler depuis deux semaines. Deux semaines de FD jetons, pas mal. Le chat de la baronne s'est échappé. Fouillez le village et trouvez-le. Ah, ce sale chat là. On sauvegarde. C'est Gérard. C'est Gérard. On a combien de temps là? 1h45. Deuxième sauvegarde, 1h45. On a passé des temps, tellement de temps sur certaines énigmes. C'est trop bien, j'adore ce jeu en vrai. Attends, il n'y avait rien d'autre plus là-haut? Je suis sûr, on a oublié. À votre avis, on a oublié combien de petites pièces jaunes? Non, oh, pas toi. Vous êtes encore là? Quand allons-nous enfin parler d'héritage? On va chercher le chat. Hein. Ok. Toutes mes excuses, monsieur. Je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger. Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et Pauline est tapis pour pas de l'eau, on peut tous boire dans le chat, c'est l'heure de l'eau. On n'a pas cliqué là. On n'a pas cliqué là sur les carreaux. Ok. Et on n'a pas cliqué... Si, on a cliqué partout. Sinon. Allez, on se barre. On va chercher Claudia dans le village. Oh, bah elle est là. GG, trop facile. C'est même pas dans le village. Hein. Professeur, la voilà. Miaou! Mince, elle s'est enfuie. Nous ne pourrons pas rester là. Allez, Luc, partons à sa poursuite. C'est vrai que c'est très sage. Quand t'as un chat qui se barre, le mieux, c'est de courir après. C'est ce qui marche le mieux. Tous. Ah, bon sang, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. C'est ça, la puissance intellectuelle. C'est ça, la puissance. Bac plus 2, les enfants. Alors, voilà ça un mystère, le lieu de résistance de feu, le célèbre baron Augustus Reynold. Je me demande quel genre de piège ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Layton, à nous deux, espèce de dandy ridicule, le trésor sera à moi. Ok, il a pas l'air sympa, l'eau. Le but du jeu, c'est de retrouver le chat, l'inoxé. Par là-bas. On va essayer de retrouver le petit chat. Fallait pas lire tous. Attends, il va nous dire quoi? On l'a déjà aidé, lui. Auriez-vous vu passer un chat? Oh, c'est vous, monsieur? Appelez-moi Raymond, n'est-ce pas? Et en quoi puis-je vous aider? Vous voyez, Raymond, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia? Je crois l'avoir vu courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que le chat est passé de ici à là, hein, on est d'accord, hein. Mais comment il a fait? Les chats, souvent, ils aiment pas trop nager, mais bon, on va partir du principe qu'il a trouvé une autre route. Parce que c'est vrai que quand on regarde ici sur la carte, vous voyez pas la carte, je vous la montre, ici, clairement, on est obligé de passer par l'eau pour pouvoir traverser, hein. Mais bon, on va dire que c'est une incohérence. Non. Lui, il a peut-être vu? Attends, ça, on l'a déjà fait, hein. Oui, on l'a déjà fait. Vous cherchez quelque chose? Oui, vous cherchez quelque chose, je le lis dans vos yeux, sans aucun doute. Pardonnez-moi, auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici il y a quelques minutes? Ah, le félin furieux, je l'ai vu courir vers la grande place. Oui, c'est ça, vers la grande place. Très bien, je vous remercie. Oh, ce n'est rien, vous savez, si toutes les questions étaient aussi faciles... Allez, bon courage! Je le trouve plutôt agréable, finalement. Alors, on va sur la grande place? Attends, la grande place, ils disent? Ou la grande place? Il dit pas de E, y a pas de E? Oui, allons-y. Un instant, allons d'abord voir ce qui se cache derrière cette porte bleue. Mais quoi? Pourquoi? Tu la vois? Ah,
C'est pour nous donner une énigme, je pense. Cette porte bleue est entrouverte, si nous jetions un œil à l'intérieur. Pourquoi? Mais ça a pas de logique là, par contre. Bon, non, hey, on va pas chercher à être méchant. Là. L'énigme de la bougie, c'est parti. Regarde ça, Luc. Cette bougie fait penser à une excellente énigme. L'énigme de la bougie, c'est sûr, elle s'appelle comme ça. Dîner aux chandelles. Ah non, pas du tout. Allez, 10. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger et un courant d'air vient d'éteindre deux d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Bon. 10 bougies sont allumées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 bougies allumées. Un courant d'air vient d'éteindre deux d'entre elles. Un courant d'air en éteint deux. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Ok. Afin qu'une autre bougie ne s'éteindra... Attends. Ah, vous fermez la fenêtre pour qu'il n'y ait plus d'autres qui s'éteignent. En supposant que le vent ne vous perdra plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Bah 10, non? Bon. La question, là encore, c'est un problème d'énoncé. Combien de bougies allumées va-t-il vous rester ou combien de bougies va-t-il vous rester? Des bougies allumées, il en restera 7. Des bougies, il en restera 10. Bah 10. Combien de bougies va-t-il vous rester? Bah 10. Ouais. 10 bougies sont allumées. Combien de bougies? Bah 10. Fais pas chier, c'est 10. Hein. Si c'est pas ça, c'est des cons. C'est des cons. C'est juste des cons. Bon bah du coup, c'est pas 7 non plus parce que ce serait trop facile. Du coup, c'est quoi? C'est pas 7. Zéro alors. Il en restera 0 parce qu'elles vont toutes s'éteindre. Ah bah non, je suis con, il en restera 3 parce que les, celles qui sont éteintes, elles vont pas s'éteindre. Je suis vraiment trop con. Là par contre, j'étais con. Là, c'est moi qui ai joué au con. Et ils auraient pu dire, où sera-t-il dans 20 ans, quoi. Bon là, c'est bon. C'est des cons, mais ça va. Ils voient une porte ouverte. Ah là, c'était 3. Yes! Allez, je veux pas y avoir la réponse, ça m'énerve, la réponse me saoule. Vas-y, on la regardera pas, et casse-toi. Excellent travail, mon garçon! Tu as résolu une énigme de merde! Une chose peut s'avérer évidente, mais en fait, c'est de la merde! Parfois, il vaut mieux ne pas chercher trop de merde, mais c'est juste de la merde! Merci. Allez, on passe à la suite. Là, y'a quoi? Y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ok. Oh, une pièce! Ok. Ah, l'énigme des chaises. Cette chaise est tout à fait charmante. Tiens, vu que nous venons d'entrer par effraction dans cette maison, allons chercher une énigme maintenant sur cette chaise après avoir passé à la bougie de merde. F arrive à rager sur tous les jeux, sans exception. C'est un talent que j'ai. C'est un gros talent. Bon, une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Bah moi clairement je choisis ça comme chaise de salle des fêtes. Ça fait plus salle des fêtes que celle-ci hein, ou que celle ou que les autres. Elle serait capable d'accueillir de nombreux événements, allant des concerts aux conventions en passant par les banquets, les balles, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander des chaises. Parmi les 5 modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle salle s'agit-il? Bah là, les chaises peuvent pas s'empiler, là non plus, y'a que là, c'est bon, c'est ça? Non, je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais j'ai pris les seuls qui ressemblaient à des trucs de salle des fêtes, j'ai pas réfléchi. Bonne réponse, c'était encore une énigme de merde. Allez, passons à la suite. Bien joué, tu as résolu cette énigme à la con. Il n'y a personne.
On est vraiment venu là pour rien ? Bon bah on se barre. Hein. Je sais pas pourquoi on est venu là. Bah juste pour faire 2-3 énigmes. Moi j'adore, c'est trop marrant en vrai. Et vous ? Vous voulez bien m'aider ? Je suis dans un sacré pétrin. Quel est le problème, monsieur ? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause, grrr. Et comme ça suffisait pas, cet idiot est reparti avec ma manivelle, le seul que j'avais. Oh non, cela veut dire... que nous sommes bloqués sur ce village de merde. Pardon, j'arrête. Grrr. Oui, mon pote, jusqu'à ce qu'on trouve ce truc, personne d'entre le sort du village. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Grrr. Non mais quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil, je vous le demande. Oh. J'oubliais. J'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être. On a eu une bricole. Stylé. Et on a un nouveau follow de Laiwen. Laiwen, bienvenue Laiwen. Option bricole. Bon, on s'en fout, on verra plus tard. Hop là. Nickel. Ils sont tous débiles dans le village. Il n'y en a qu'un. Hein. Il n'y en a qu'un qui est débile. Ah, on a un chat. Vas-y, on le prend pas. Vas-y, on le prend. Mais le chat va encore s'évader, comme d'habitude. Regardez, fourrure blanche, nœud violet, air renfrogé. Renfrogné, pardon. Aucun doute, nous avons retrouvé Claudia, qui va maintenant s'échapper une nouvelle fois vers l'ouest. Bien vu, Luc. Maintenant que nous savons où elle est, la question est, comment allons-nous l'attraper? Va chercher le fusil à pompe, Luc. Je m'en charge, professeur. Je vais chercher le fusil. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que tu savais t'y prendre, toi, avec les fusils à pompe. Bien, à toi l'honneur. Viens ici, Claudia. Un coup de balle et t'es morte. Aïe. Aïe. Oh zut, c'était pas prévisible. Le chat s'est encore une fois échappé, mais cette fois-ci, vers l'ouest. Qu'allons-nous faire? J'ai pas réussi à lui pomper la gueule. Je suis vraiment désolé, professeur. Bon. Oh, y'a un mec qui hurle. Alors. Pardon. Oui, j'ai vu Claudia. Elle t'a pratiquement arraché l'œil. C'était joli à voir. Vous voulez aider à l'attaquer? Très peu pour moi. Je tiens à la vie. Non mais vous avez vu ce fauve? Je ne m'en approcherai pas. Moi j'irai simplement avec un simple fusil. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie? Parce qu'on est tellement cons, on l'a même pas vu partir. Cette espèce de tueuse sur pattes a filé vers l'ouest. Vous avez vu la taille de ses crocs? Elle met des crocs, hein, quand même. Hein. C'est des espèces de sandalettes dégueulasses. La chatte en crocs. Oh, ce... Eh ben, nickel. Nickel. Attendez. Oh. Tiens, une fenêtre. Ça me fait penser à une énigme. Ah voilà, il y a une énigme cachée ici. Super. C'est génial. Alors. Ah mais j'ai oublié de rééchanger. À chaque fois j'oublie de rééchanger, je suis désolé. Vous avez un paquet de 52 cartes. Ah, ce paquet ne contient pas de jeux de joker. En vrai, je connais même pas assez bien les jeux de cartes pour savoir si normalement les jeux de 52 cartes ont des jokers. Les cartes sont scrupuleusement mélangées puis séparées en deux tas. A et B, de 26 cartes chacun. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois, combien de fois pouvez-vous espérer que le nombre de cartes rouges dans un tas corresponde au nombre de cartes noires dans l'autre? Attends. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois... Ça sert à quoi de vérifier 1000 fois le même tas? Enfin,
Attends. J'ai pas compris le coup. Attends, il y a une phrase que qui m'échappe. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois, combien de fois pouvez-vous espérer que le nombre de cartes rouges dans un tas corresponde au nombre de cartes noires dans l'autre? Alors la probabilité pour qu'il y en ait autant dans chaque. Attends. Pour qu'il y ait autant de rouges dans l'un que de noirs dans l'autre. Est-ce qu'on peut... Comment on peut poser le problème? Et alors attendez, faut que je réfléchisse deux secondes. Alors attends. On a 52 cartes. Si on les divise, on pourrait avoir par exemple on pourrait avoir genre 13 rouges plus 13 noirs. Et puis l'autre, 13 rouges plus 13 noirs. Par contre aussi, on pourrait avoir 14 rouges et 12 noirs. Et du coup, de l'autre côté, on aurait 14 noirs et 12 rouges. Et donc ça, ça peut se démultiplier jusqu'à 0 ou jusqu'à 26. Alors, attendez. Si vous... Alors, en fait, moi, ça reste toujours le même problème, la question, là. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois... Ça sert à quoi de vérifier le contenu de chaque tas 1000 fois? Je le fais une fois, ça suffit. Elle me paraît simple, celle-là, donc je dois avoir faux. Bah non, plutôt, je pense que t'as raison, Anaïs. Justement, c'est pas si compliqué, normalement. Salut, Pandou. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Si vous vérifiez le contenu... Mais je comprends pas la question! Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois, pourquoi tu vas le faire 1000 fois, ton putain de tas? Fais-le une fois, ça suffit, espèce de connard! Combien de fois pouvez-vous espérer que le nombre de cartes rouges dans un tas corresponde au nombre de cartes noires? Et bah si tu le fais une fois et que tu vois que ça correspond pas, et bah tu le fais 1000 fois, ça va jamais correspondre, espèce de petit enculé! C'est vraiment des débiles! C'est quoi cette question? Ça veut dire quoi de vérifier 1000 fois le putain de tas là? J'essaie de le faire sans réfléchir, mais non. Bah c'est carrément... Leurs énoncés, je les déteste. Je comprends pas la question. Je comprends putain de pas la question. Si vous vérifiez le contenu de chaque tas 1000 fois... Bah 0 ou 1? Attends, combien pouvez-vous espérer? Bah c'est soit 1000, soit 0. Ah mais oui, mais c'est 1000. Ok, c'est bon, c'est juste, je suis vraiment complètement con en fait. Il y a forcément l'inverse. Attends, s'il y a... Non, bah non, bah du coup je sais pas. J'ai écrit 100. Merde. T'as mis 100. Ok. Attends, ok. Oh putain.
Voilà, c'est bon. Bon, je me suis énervé pour rien, j'ai juste encore été débile. En fait, faut pas que je cherche loin. Il faut juste que je... Bah non, c'est pas ça. J'ai encore mis 100? Non, j'ai mis 1000. Hein. C'était pas 1000? Bah attends. S'il y a 26 rouges, j'étais encore mis 100. Ah merde. Ah merde, je voulais pas d'indice. Hein. Mais putain, mais... Connard, je veux pas la réponse, nique ta race. Nique ta race, je veux pas avoir ta réponse à la con, petit enculé de mort. Voilà, casse-toi. Piou! 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 C'était un vrai casse-tête, oh là là! Il fallait juste répondre à la question, c'était nul! Non, c'est super bien, j'ai adoré! Ouais! Voilà. Ok. Non, pas là. Hop! Bonjour, je suis un binoclard. Vous êtes à la mairie, veuillez exposer l'objet de votre visite. Si vous venez d'emménager, veuillez remplir un formulaire de changement d'adresse plus tôt. Non, non, ce n'est pas du tout ce qui nous amène. Nous cherchons des énigmes. Soit, mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires. Commencez par celui-ci. On va remplir un formulaire. Alors. Oh, une Triforce ! Vous souhaitez tracer la figure ci-dessous, se composant de nombreux petits triangles. Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois, et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche composée de 4 petits triangles. Sachant cela, combien de fois devrez-vous tremper votre plume dans le petit pot afin de pouvoir tracer la figure se trouvant au centre, composée de 36 triangles ? Pas compris. Pourquoi 1, 2, 3, 4 ? C'est ça qu'il faut faire en fait. Et de 1 ? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est pas au petit, hein, mais je le ferai 9 fois, moi. Moi, j'aurais dit 9. Mais le problème, c'est que c'est pas opti comme technique. Parce que là, on le fait une fois. Ah, peut-être qu'on pourrait faire une Triforce comme ça, là. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Non, ça reste neuf. Hein. Moi, j'ai pas autre chose que neuf. Hein. Moi, je vois 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en vois 9. Mais ce qui m'emmerde, c'est que quand on fait ça, on, imaginons là. Là, si je fais un triangle là, j'utilise une barre pareille. Je duplique cette barre là. Là pareil, je dupliquerai celle-ci. Là je dupliquerai celle-ci. Ce qui m'amène à ça. Ce qui me permet de dupliquer encore celle-ci. Qui... En fait, il y aurait tout ça qui serait dupliqué. Tous ces traits là seraient faits plusieurs fois. Bah de toute façon... Bah sinon c'est 9 fois 4, 36 en vrai. Il y en a 36, 4 fois... Bon en vrai 9 ça paraît logique. On peut faire 4 triangles à chaque fois, il y en a 36 à faire. Bon vas-y on fait 9, vas-y. Je pense que c'est ça, ça m'étonnerait que ça soit plus compliqué.
That should do it. Ah non. Ah, il y en a 8 alors. Il y en a 8. I suppose I thought wrong. Réessayer. Alors attends. Justement, il faut réfléchir. Du coup, alors attendez. Ah, c'est pour ça que c'était sur carreau. J'aurais dû regarder la difficulté en fait avant. Donc, de toute façon, je suis obligé de faire une Triforce qui commence là. Bon, je l'ai un peu mal fait. Bon, j'ai une Triforce. Il y en a combien de triangles ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ok. Si j'en fais une par coin, là. Là, déjà, j'ai déjà fait beaucoup de triangles rapidement. Là. Si je fais tous les coins. Bah oui, en fait, genre... Il n'y en a pas besoin, il y en a besoin pas de 9 en fait. Je suis con. Il en suffit que de... Il y en a 4 en fait. Comment j'ai pu faire ça? Je suis con. There we go. Mais merde! Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Donc c'est 3 seulement? I suppose I thought wrong. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, je t'en fais une. Ah bah non, parce que c'est des Triforce bien plus petites, c'était ça les Triforce, pardon. J'ai fait des méga Triforce de la mort. Bah attends, mais si, on fait une grosse Triforce là. Ça fait genre ça, 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 et de une. Non, c'est complètement con de faire celle-ci. Par contre, je fais celle-ci. Non mais attends, je peux pas, je peux en faire qu'une petite. On en fait une petite là. Non, c'est complètement con ça. 2, 3. On a le même problème. 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 6, 7, 8, 9. Attends, on va peut-être relire un peu. Sachant cela, combien de fois? Attends. Une fois, vous aurez juste assez d'angle pour tracer la petite figure en gauche empochée de 4 petits triangles. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traits. Avec un coup d'angle, on peut faire 9 traits. Bah oui. Si avec un coup d'encre, on peut faire 9 traits. Il y a combien de traits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Bah 64 divisé par 9. 8 fois 9, 64. 8 alors, répondre 8. That should do it. Non. Oh, how embarrassing. C'est... Attends, mais non, mais c'est pas 8. 64, je suis trop con. Attends, j'ai mal compté. J'ai mal compté. 8 fois 9, c'est 72. Donc c'est 7. Attends, 7 fois 9. Attends. 63, j'en ai compté un de trop peut-être. C'est 9 fois 7, 63 du coup. Donc c'est 7. 7 x 9, 63. Techniquement. On fait un ligne de 9. Pourquoi j'ai compté 8? 8 x 9, 72. Pourquoi j'ai dit 64? 3... 9 x 7, 63. Donc c'est 7. Bon bah c'est 7. Hein. Ah, je suis vraiment... Oh, c'est lamentable. Hein. C'est lamentable. That should do it. Voilà.
Quel connard. Moi j'ai compté les 9. Neuf... 21 divisé par 3 égale 7. Moi j'ai plutôt. Ouais, moi j'ai pas fait comme ça. J'ai pas compris. Hein. J'aurais dû lire la réponse parce que je l'ai pas compris. Mais bon, en fait, moi je l'ai résolu autrement. Mais bon, c'est pas grave. Et surtout, j'ai pas compté. Je connais plus mes tables de multiplication. Ça devient triste. Hein. Ça devient triste. Hein. Parfait, vous l'avez sans doute remarqué, tout le monde ici adore les énigmes. Veuillez répondre autant d'énigmes que possible pendant que j'y pense. Veuillez rendre visite à Mamie Mystère dans la maison voisine. Si elle est chez elle, elle aura des informations à vous donner sur tout ce qui est trait des énigmes. D'accord, c'est parti. Bon, ça c'est bon, on a tout fait. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2 les enfants. Bac plus 2 les enfants. Bon, à l'ouest, il y a le chat. Oh, avant que j'oublie, nous devrions chercher un hôtel et réserver des chambres pour cette nuit. Excellente idée, professeur. Je suis certain d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village, au sud de cette place. Essayons de trouver et voyons si nous pouvons nous y loger. Attends, et on est d'accord, c'est marqué Grand Place. Hein. La Grand Place, ils sont débiles, ils sont trompés. Ils ont appelé ça la Grand Place alors que c'est la Grande... Ah, peut-être que ça se dit la Grand Place. Et salut Yoshizer, comment vas-tu? Professeur Layton, ce jeu est juste, surtout les musiques. Good luck à toi. Merci. Ouais, les musiques sont trop cool. Vas-y, il est trop bien le jeu. Oh, lui on lui parle. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et Chocapic, qui a payé pour boire de l'eau, on peut boire de l'eau dans le chat, c'est le moment. Alors, ça va? On cherche à percer tous les secrets de Saint-Mystère. Pour cela, vous n'avez qu'une solution. Résoudre des énigmes. Cela vous vaudra le respect des villageois. Cela tombe bien, j'en ai une à vous proposer. Vous avez besoin d'entraînement si vous voulez éviter d'avoir l'air ridicule plus tard. J'ai toujours du mal avec les énigmes où il faut trouver l'intrus. Pourtant, je sais ce que c'est de sortir du lot. Faut trouver l'intrus alors. Tapis vert. 3 des 4 images ci-dessous sont de simples rotations du même jeu. Trouvez l'intrus. Bon. Losange. À gauche, trèfle. Cœur, trèfle. Losange, trèfle, cœur, trèfle. Ah oui, d'accord. Losange, trèfle à l'endroit, cœur à l'envers, trèfle à l'endroit. Losange. Losange, trèfle à l'endroit, cœur à l'envers, trèfle à l'endroit. Losange, trèfle à l'endroit, cœur à l'envers, trèfle à l'endroit. Losange, trèfle à l'endroit, cœur à l'envers, trèfle à l'endroit. Bon, pour l'instant... C'est pas mal. Ensuite, le cœur, la pointe du cœur pointe vers la pointe du pic. La pointe du cœur pointe vers la pointe du pic, la pointe du cœur pointe vers la pointe du pic, la pointe du cœur pointe vers la pointe du pic. Ah ouais, d'accord. Autre point. Qu'est-ce qu'il faudrait remarquer d'autre? Ah, il y a les coins qui sont au-dessus. Les trois, donc... La base du pic contient... Attends, je vais vous montrer le bon écran, c'est peut-être plus simple pour vous. La base du pic contient tous les coins qui sont au-dessus. La base du pic contient tous les coins qui sont au-dessus. La base du pic contient de la merde. Et la base du pic, là, contient tous les coins qui sont au-dessus. Donc c'est celle-ci. How does this sound? Tranquille. Celle-ci, ça allait. C'était pas trop dur. Le principe et le simple de cette énigme est très simple. Le plus difficile est de cerner les petites différences entre les images. Ouais, voilà. Eh bien, on peut dire que vous lui avez réglé son compte à mon énigme. Mon entraînement porte ses fruits, à ce que je vois. Si vous vouliez me remercier, je pourrais comprendre. Bon, allez, à bientôt. Ah, des morceaux de table, ça fait plaisir. La base du pic contient de la merde. Oui, c'est ça. Tapis vert était rajouté à la liste. On a eu un tapis vert. Là, c'est le musée. Enfin, c'est pas le musée, mais c'est l'hôtel. Bonjour, Miss Hôtel. Oh. Ah. Regardez, une énigme cachée dans un tableau. Et j'avoue des énigmes partout, puisque je suis un peu fou. Ok, splendeur. Niveau 50. Hein. Celle-ci, elle est chaude. Elle est chaude comme bouillance. Ce tableau découvert récemment est l'œuvre d'un célèbre peintre. C'est un autoportrait de l'artiste réalisé juste avant sa mort. Il l'a intitulé Splendeur.
Cela semble terriblement narcissique de sa part, mais il est possible qu'en réalité, il fasse référence à autre chose qu'à lui-même. Certains affirment que l'on peut voir la fiancée du peintre quelque part sur ce tableau. Saurez-vous retrouver la muse de cet artiste? Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut tourner? Ah d'accord, j'ai compris. C'est avec l'ombre qu'on joue. Alors par contre, c'est pas comme ça. Là, on dirait... Il y a un chapeau... Ah si, c'est elle. Elle a un petit chapeau, un petit nez qui pointe, là. Attendez, ah, je suis con, je voulais pas mettre les points d'écran. Elle a un petit chapeau, une petite couette derrière, là. Le bout des cheveux, le nez qui pointe. Là, c'est... C'est pas bon, là. Le bas, c'est pas bon. On va inverser. Bah non, dans tous les cas, c'est pas bon. Là, c'est ça. On dirait une poule. Attends. Bah, en vrai, je sais pas. Ah, peut-être que c'est là qu'on échange. Non. Non, mais c'est bon, en vrai, c'est ça. Là, c'est le chapeau. Mais là, c'est bizarre, cette partie-là, non? Non, ça paraît... Mais c'est quoi, cette plume, là, à l'arrière, là? Qu'est-ce qu'il fout avec une plume dans le dos? Bon, je sais pas. Validé. Je suis pas sûr, mais pour moi, ça paraît pas logique. Il va faire la gueule, il va faire la gueule. Ah non, c'est bon. GG. Ah non, c'était... Ok. Cette silhouette, la fiancée... pour moi, elle est dégueu. Hein. Regardez-moi ça, c'est raté, non? Enfin, c'est pas ouf. La silhouette de la fiancée de l'artiste se cachait dans ce tableau. Il a probablement peint ce tableau pour lui rendre hommage. D'accord. Trop bizarre, cette partie-là, carrément. C'était du gâteau. Nous allons chercher de nouvelles énigmes. Ok. Je sens que l'odeur du pain qui cuit dans le four là derrière. Ok. Bon, bonjour madame. Oh, bonjour. Bienvenue à l'hôtel Le Saint-Mystère. Le village ne compte pas d'autres hôtels. Les visiteurs sont plutôt rares ici, vous comprenez. Bonjour madame, nous aimerions nous loger. Pourrions-nous nous louer deux chambres, puisque je ne veux pas dormir avec l'enfant pour pas qu'on me prenne pour un pédophile. Hélas, vous arrivez au mauvais moment. Nous sommes en train de redécorer leur chambre. Les seules chambres disponibles sont au grenier. Si vous les prenez, je vous promets de tout faire pour que vous soyez très bien installés. J'espère que vous resterez chez nous. C'est toujours un plaisir d'accueillir un vrai gentleman. Célibataire, bien sûr. Les chambres ne sont pas très grandes, mais croyez-moi, elles seront parfaites. Pouvez-vous repasser dans un moment? Oh, et je ferai tout mon possible pour vous donner deux chambres standards dès que possible. Très bien aimable. C'est bien aimable, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Dès l'instant où j'ai un bon lit pour dormir, je m'estime satisfait. Ah oui, justement, il n'y a pas de lit dans cette chambre. Tous nos lits sont échartuments, l'artisan qui a remis à neuf. Mais pas de panique, Béa sera aux petits soins pour vous. Vous aurez même un droit à un rabais. Dans cette énigme, vous devez placer les bons objets dans les chambres de Luc et professeur. Vous pouvez y accéder, toucher la valise. Vas-y, on l'a fait. Lorsque vous obtenez un nouvel objet, vous pouvez choisir dans la chambre de laquelle placer. Pas de panique, il est toujours possible de déplacer un objet d'une chambre à une autre. Si une des chambres contient trop d'objets, l'objet obtenu sera directement dans l'autre chambre. Laissez-moi vous offrir ceci pour que vous vous sentiez ici comme chez vous. Le tabouret. Bon, on le donne à Luc. Hein. L'objet est envoyé dans la chambre de Luc. Allez, nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Ça, c'est mort. Vas-y, on se barre. Hein. Nous ferions mieux de nous remettre à la recherche de Claudia. Eh oui, allons voir Claudia. Go. Go. Ah là. Ça? Non. Ça? Oui. Ça? Non. Ça? Non. Ça? Non. Ça? Ça? Non.
ça, oui, ça, non, ça, ça on l'a déjà fait, ça, non, ok, je pense qu'on a les pièces, ok, bon lui, le mec vénère. Oh, ras-le-bol ! Ça te va, le copain blâne ? Je suis pas content ! De quoi ? Pourquoi ? Je suis furieux ! Vous demandez pourquoi ? D'accord, écoutez-moi bien ! Il y a ces trois coudes qui vivent ici, on peut pas se supporter ! On ne veut même plus se voir ! Vous comprenez ! Mais vous avez vu ça, monsieur, petit village ! On l'a retrouvé assassiné un jour, il en est mort. Ah merde, je me suis débranché. Merde, 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 merde. Ah, j'ai un problème d'oreille. Le temps, parfois on se croise quand on passe à l'œil, paf! Le temps est un orage et plein des insultes. Ça serait vraiment plus pratique si on pouvait éviter de se croiser le matin. Et vous avez l'air intelligent. Soyez chic et aidez-moi à trouver une solution, d'accord? Et coucou Alpagarte, bienvenue. Bon, on va faire une solution pour pas qu'ils puissent se croiser. Super. Alors, tracez un chemin entre la maison et le lieu de travail de chaque personne en reliant les lettres correspondantes. Alors, déjà, rien qu'en voyant ça, j'ai compris que l'énigme consiste à ne pas faire en sorte que B fasse B. Ça va, c'est B qui va faire le grand tour. C'est sûr, c'est B qui fait le grand tour. Ouais, j'ai même pas besoin de lire l'énigme, je sais que B va faire le grand tour. D aussi va faire un tour à la con, je crois. Parce que le A, en fait... Non, c'est pas ça, attendez. C'est peut-être pas ça, en vrai. Attends, on va faire les plus compliqués. Attends, il faut... Le C... Voilà, le C va là, le A va là. Ouh, on peut passer par là, hein, ça sera plus... Oh, s'en fout. Le B... Ah non, du coup, il y a un souci. Le problème, c'est le B et le D. Alors, attendez. Le A... Ah, ça va être marrant. J'aime bien cette énigme, elle est cool. Attends, si le C fait le grand tour, que le A fait ce tour-là... Non, le A, il bloque le B. Donc, c'est pas ouf. Ah, c'est cool, j'aime bien. Attendez. Bon, j'ai pas y a pas besoin de lire, on a compris, hein, l'énigme. Attendez, je vais vous mettre la bonne écran. Je pense que ceux qui vont faire des tours de ouf... Alors, peut-être lui, là. Comme ça, le C, il fait le tour comme ça. Non, c'est pas ça. Parce que là, après, le D est complètement bloqué. Non. Alors. Si on part de la logique comme ça, là. Le problème, c'est que C est bloqué. En fait, le problème, c'est ABC. Le D, on s'en branle. Donc, peut-être que B... Comme ça, C... Non. Je trouve ça trop bien, ces énigmes-là. Sont cool, en vrai. Ah, voilà. Non, on n'a pas de truc. Il faut que je trouve le cœur du problème. Si le A coupe tout. Le A ne peut pas tout couper. Qui passe par l'extérieur? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que le A passe... Si le A passe par l'extérieur. Le C peut se relier comme ça. Là, on est forcément une douille ici. On a forcément une douille. En gros, il faut que je résoudre le problème du D et du B. There we go. Nice, c'est passé. Football.
Bon, au final, ça, ces énigmes-là, c'est cool parce que, faut te chercher, quoi. Faut changer de stratégie à chaque fois. Bon, ça, c'est cool. Ils peuvent désormais s'ignorer en toute quiétude. Bah, nickel. GG, les gars. Ah, merci bien. Je pourrais enfin aller travailler sans me mettre systématiquement en rogne. Franchement, vous êtes vraiment plus intelligent que ça devenait. Ok, j'ai une info pour vous. Vous voyez ce truc-là, cette vieille tour derrière la grande place? Un conseil, évitez de vous en approcher. C'est ce que vous ferez si vous avez une once de jugeote. Enfin bref, merci encore de votre aide en tout cas. Ok. Bam bam bam, les conflits de voisinage ont été ajoutés à la liste. Elle pointe du doigt, elle. C'est la... On l'appelle la mégère qui pointe du doigt. Excusez-moi, madame, mais on ne pointe pas du doigt. Je fais ce que je veux et je vous emmerde. Vraiment, je pointe qui je veux avec mon doigt, d'accord? Non, vous n'avez vraiment pas le droit de pointer du doigt, surtout à un gentleman comme moi. Mais de qui tu te... Pour qui tu te prends, petit con? Avec ton gosse, là, cassez-vous de chez moi! Alors, vous voulez vraiment pas partir? Non. Mais enlevez votre doigt d'ici, madame. Cassez-vous avec votre doigt à la con. Bon, bah puisque c'est ainsi, on va faire une énigme. Ouais, je vous ai vraiment, on va faire une grosse énigme de ouf et puis vous allez voir ce qui va se passer, d'accord? Alors, une énigme. Hop, l'énigme, ça va être quoi? 7 cochons particulièrement belliqueux sont en train de paresser dans un enclos. Ok. Afin de vous assurer que les 7 cochons ne se battent pas, vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de 3 cordes. Ok. En utilisant les poteaux ci-dessous, ok, parviendrez-vous à placer les 7 cochons dans les 7 dans des sections séparées. Il ne faut pas que la moindre queue ou le moindre groin puisse se faufiler. J'ai rien compris. 7 cochons sont particulièrement belliqueux. Particulièrement belliqueux sont en train de paresser dans un enclos. Ah d'accord, il faut pas qu'ils soient collés quoi. Afin que vous assurez que les 7 cochons ne se battent pas, vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de 3 cordes. Ah d'accord, ok, 3 cordes pour les séparer tous. Ok. Ah, on peut pas les couper les cochons peut-être. C'était ça? Bonne nuit, Mr. Fowl. C'est dévoré. Merci, Layton. Another puzzle solved. Merci pour le puzzle. Bah, bonne réponse. Hein. Des cochons contents sont des cochons contents. C'est très drôle. Je l'avoue, je suis impressionnée. Je vais peut-être baisser mon doigt, mais j'ai vraiment pas trop envie. Bon allez, je le laisse comme ça et cassez-vous. Vous obtenez des restes de poisson. L'énigme 22, la paix et cochon ont été résultés à la liste. Nickel. Bon, allez, smart. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile, un peu comme moi. Elle a que ça à dire. Une plaque d'égout, nous ne pouvons pas décemment la retirer. Bon bah... Ah, il y avait une porte bleue. Attendez, on va à la porte bleue avant. J'ai raté le chat, désolé. Oh, Angus. Je sens que vous aimez mes énigmes. Cela se voit la manière dont vous observez ces pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair, parce qu'elles contiennent justement une énigme. Regardez. Alors. Dix pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral, comme sur la figure ci-dessous. Ok, le triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de faire pointer vers le bas en ne déplaçant que 3 pièces?
Alors attendez. Bah merde, je suis débile ou seulement bête? Attends. C'est un triangle équilatéral, d'accord. Le triangle pointe vers le haut, d'accord. Attendez. Merde, je suis débile. C'est pas possible. Bon, sachant qu'on doit en déplacer que 3. On doit pas péter l'équilatéralité du triangle. C'est-à-dire que il faut que je déplace 3 pièces qui vont pas péter le triangle. Quelle pièce pourrait ne pas le casser ? Ah bah non, parce qu'il faut aussi imaginer que quand on en enlève une, on en remet une ailleurs. Parce que si j'enlève les 3 là, c'est plus un triangle. Et alors peut-être qu'il faut en fait enlever les bords du triangle. Et du coup là on a une forme comme ça, et donc en fait on les remet comme ça, non ? À l'inverse. Là, c'est plus comme ça en fait. Voilà. Ça va. That should do it. Bon, c'était pas très dur, ça va. Pris un peu de temps pour un truc pas très dur, mais bon. Allez, en déplaçant quelques pièces, il est possible de modifier complètement l'apparence d'une figure. Oui, pas mal. Allez, juste que je pose des mots sur ce que je voulais faire et ça se passe mieux. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes de vrais professionnels des énigmes. Ouf, vite fait. Vite fait, mon frère. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Faites attention à vous. Triangle équilatéral est ajouté à la liste. Nickel. Bah, attendez, on va peut-être choper des trucs ici. Ok, une pièce. Le monsieur. C'est la première fois que vous venez ici, non? En tout cas, si votre palais est en quête d'aventure... Vous avez frappé à la bonne porte. Si la cuisine est si bonne, il devrait y avoir plus de monde ici, non ? Ne sois donc pas si arrogant, mon garçon. Ça se passe comme ça dans la restauration. Il y a des moments où le restaurant est plein et d'autres où il ne se passe rien. S'il y avait tout le temps du monde, comment pourrais-je gérer ma cuisine ? À propos, j'ai un petit problème. J'ai ici 8 litres de jus de fruits que je dois diviser en deux parts égales de 4 litres. Attends, merde. J'ai pas lu, j'ai pas retenu. Cependant, je ne trouve plus mon verre doseur. Je pourrais peut-être utiliser des récipients de 3 et 5 litres pour faire des dosages. Ah, la bonne vieille énigme du truc des dosages. On va voir comment ça se passe. Vous disposez de 3 récipients, le premier contient 8 litres de jus, les deux autres sont vides et peuvent contenir respectivement jusqu'à 5 et 3 litres, d'accord. Ces récipients ne sont pas gradués, votre but est de diviser en 2 les 8 litres de jus pour, de manière exacte. Vous devez vous retrouver avec 4 litres dans un récipient de 8 litres et 4 autres litres dans un récipient de 5 litres, d'accord. Bon, moi, je pense que ça va pas... on va essayer, hein. On va jouer avec. Hein. Ok, on a 3, 2. Donc... Là, ça fait 6. On met 2 là. Là, ça fait 4. 5. C'est combien qu'il faut faire ? Fait 8. Ok. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Merde ! Je voulais pas faire ça. Ah, quel con. Attends. Non mais je suis débile. Attendez, on recommence. Ah mais annuler. 5. Ok. Attendez, on recommence. Faut pas faire du truc débile en fait.
Ça, c'était débit. Donc ça, c'est bon. Là, on a le 2 litres. Le 2, on les met là, les deux. Ok. On a 2. Là, on a réussi à faire un truc cool. Il nous en faut le double. Du coup, là... Non, c'est plutôt comme ça. Là, on a 6. Donc le 2 là. Là, on fait un 3. Non, on peut que former du 5. Non, c'est pas con. C'est un peu con. Attendez, si je recommence. Hop, faut juste que je fasse des trucs qui nous font avancer plutôt que reculer. Faire du 5, on s'en fout. Faire du 5, on s'en fout. Faire du 6, ça peut être intéressant. On l'a pas, le 6. On fait du 6. Là, on fait du 2. On a 6 et 2. Là, on fait du 5. Et on a... Rien... Là, j'ai tout pété, en fait. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, on recommence. On refait ça. J'avais un bon début. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Attendez. Ok. Du 2... Donc là, ça, si je mets ça là-dedans, ça fait du 5. Si je mets ça là-dedans, ça fait du 5. Là, ça fait du 6. Donc 6, c'est original. Là, du 2, ça fait du 2. Donc là, on a un truc bien. À partir de là, il faut construire autre chose. Moi, j'aurais bien mis du 2 là. Ça ferait du 2 sur 5. Là, ça fait du 3 à 3. Et ça ne sert à rien. Et bonsoir à CDF et Mini Kaku, bienvenue, comment ça va? Alors, là on a un truc. 8 litres, il faudrait 4. Si on met... On peut obtenir du 1 et du 5. Non, ouais, on peut obtenir du 1 et du 5, mais ça ne sert à rien. Alors par contre, je peux obtenir un 3. Ouais, si j'obtiens un 3, ça me sert à... En fait, non. Bah là, en fait, je suis bloqué ici. Alors, on recommence. Hop. Non, c'est complètement con ce que je viens de faire, là. On fait 5. 3. 5. 2. Merde, je voulais pas faire ça. 5, 8. Attends, là, ça fait du 5. 3, bah, attends, on annule. Si je mets ça là. Non, mais ça sert à rien ce que je viens de dire. Ah si, là, on a fait un split. Là, ça fait du 6. Merde, casse-toi. On fait ça, ok. 3. Là, on a du 2. Ok. C'est de la merde. Alors, si on fait ça là. Ok. Hop. Ok. Là, le 3, ça nous donne rien d'intéressant. Là, on a un 2. Là, on a un. Ça ne sert à rien. Là, on a un 3. 3 et 2, 5, 6. Annulé. Alors, attendez. Hop. On fait ça là. Et ça là. Là, on a tout vidé. On met un 3 là. Ça sert à rien de faire ça, je crois. Un 5 là. On remet un... On peut faire un 6. C'est un chiffre qu'on n'a pas. 6. Ensuite, on fait un 2. C'est ce que je viens de faire depuis tout à l'heure. Là, c'est du 5, 1. Là, on peut que avoir un 3. 4. Ah, on a un 4. Ça y est. Et bah, c'est bon, on a fini. Le problème, c'est que c'était pas ouf. Faudrait le refaire. Faudrait le refaire en plus court. Je crois que j'ai dû faire un truc qui servait à rien. Attends, il l'a dit en combien de fois? Finissez par la solution le plus court compte... 7 opérations. On l'a fait en 11, je crois. C'est de la merde. Je m'endormais tranquillou devant le stream, mais cette envie d'hurler la réponse dans le chat m'a réveillé. Ah. Ah oui. Alors... Ah oui, comme ça, c'est parfait. Excellent. Merci de votre aide.
Si ce problème se pose à nouveau, j'espère que vous voudrez bien m'aider. Ah, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, mais un peu plus level up, ça va être cool. Là, non. Il est quelle heure? J'ai pas envie d'arrêter. Il est minuit 4, j'ai envie de continuer. On en refait une. On va juste chercher le chat. On fait l'énigme du chat s'il y en a une. Hop. Là, il y a une énigme. Ce vieux bocal me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Ok, il a vu un bocal, il pense à une énigme, ce trou du cul. Putain, il est con comme une huître. Alors, l'énigme. Un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Une autre minute passe et les deux microbes se dédoublent à leur tour pour donner 4 microbes. Ce processus se poursuit. La bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? Bah, une minute en moins, non? 59? Attends, est-ce que je suis con ou pas? Moi j'aurais dit 59. Elle vaut 20 picara. À 20 picara, les 59 passent, mais ça serait trop simple. Bon là, attends. Si ce processus se poursuit, la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Alors. Minute 1, minute 2, minute 3, minute 4. Au début, il y en a 1, après il y en a 2, après il y en a 4, après il y en a 8. Donc c'est... Après les minutes 5, il en reste 16. C'est une puissance de 2 en fait. 2 exposant 5. Non. C'est 2 exposant... 2 exposant la valeur... Le nombre de minutes moins 1 quoi. Un truc comme ça. Donc au bout de 60 minutes, on en a... 2 exposant 59. Donc techniquement, au bout des 1 heure, 2 exposant 59, ça fait combien? Ça fait du 5,76 fois 10 puissance 17. Moi, j'aurais bien retiré une minute, mais attends. Si elle vaut que 20, ça pourrait être que ça, mais... Bah, de toute façon, si c'est pas 59, la réponse est bien plus compliquée. Attends, pourquoi ce serait bien plus compliqué? Si c'est pas 59, c'est quoi? Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? Donc, si je commence avec 2, à la première minute j'en ai 2, à la deuxième minute j'en ai 4, à la troisième minute j'en ai 8, 16, 32... Donc c'est 2 exposant 60. Pas 2 exposant... Bah je comprends pas. Je crois que je comprends pas l'énigme. Soit 2, 4, 8, 16, 32. Bah oui, ça décale de 1 quoi.
Donc une minute en moins. Je sais pas, c'est bizarre. Minute 1, minute 2, minute 3, minute 4, minute 5. Et donc du coup, il y a un décalage comme ça en fait. Enfin, c'est toujours un décalage diagonal de 1 quoi. Donc à la minute là, ça correspond... Donc la minute là correspond à celle-ci, celle-ci correspond à celle-là, donc la 59 correspond à la 60. Bah moi je dirais 59 hein. How does this sound? Ah c'est bon. Ah ok, j'ai réfléchi, ouais. Je me cherchais une douille parce que je pensais que s'il faisait des trucs difficiles, en fait c'est complètement con. Je m'attendais à un truc difficile mais non. Bon. Layton qui dit quoi? Tout à fait exact, excellent travail. Je suis un trou de balle. Ce bocal est plutôt de la merde, non? On pourrait peut-être le casser et l'exploser contre ce mur. Bah carrément, explosons-le! Super! Allez, qu'est-ce que tu dis de ça? On va l'éclater, mais de façon hyper vénère. Tu as raison. Mais fais gaffe à ne pas te couper avec les bouts de verre. T'inquiète! J'ai des gants! Ah, on a trouvé un morceau de tableau. Super. Allez, passons au chat. Ok, il n'y a rien là. Miaou! Oh, le sale chat! Attends, bouge pas, je vais chercher mon fusil à pompe. Vite! Va le chercher dans la voiture surtout, il est derrière la banquette arrière. Viens ici, sale chat de merde! Miaou! Miaou! Professeur! Il n'y a plus de balles dans le fusil à pompe, comment on va faire? Eh bien, utilise ta tête! Ah merde, j'étais pas trop dans le délire. Miaou! Oh! Bon, on va s'arrêter là, je pense. On a clôturé le chapitre 2. En vrai, c'est trop cool. Hein. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop trop cool. Ayant retrouvé Claudia, Luc et le professeur, Layton il s'appelle, décide de retourner au manoir de Reynolds et sauvegarde. Comment se passe votre enquête à Saint-Mystère? Voilà un conseil pour vous aider. Il est parfois impossible de revoir une énigme non résolue à son emplacement d'origine. Super, quel bon conseil. Mais pas de panique, il est possible de retrouver ces énigmes chez Mamie Mystère sur la grande place. Elle est souvent dans sa réserve afin de résoudre toutes les énigmes du jeu. Ah, la petite cinématique pour terminer. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Oh là là, monsieur, c'est vraiment horrible ce qui vient de se passer. Venez vite, je vous en prie. Mais quel est le problème, Mathieu? Reste stone, frère, on s'en bat les couilles, le chat il est retrouvé. Miaou. Bah voilà, une nouvelle qui fera plaisir à madame. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper de ce pauvre chat de merde. Dépêchez-vous de rentrer à l'étage. Je suis l'enquêteur, hyper méchant. Alors, c'est vous le célèbre professeur Layton? Je m'appelle Shelmy, inspecteur Shelmy. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable. Nous avons déjà ramené Claudia, ça les sauve. Oh, Claudia, ma poussette! Viens voir maman, mon petit doudou d'amour. Qu'est-ce que c'est que ce chat de merde? Vous amenez un chat sur un lieu de crime? Mais c'est complètement plein de poils dégueulasses, un chat. Oh, ça va, le vieux con, nous fais pas chier. Ce crime n'a pas eu lieu, et nous sommes pas au courant de ce qui se passe. Pourriez-vous nous donner quelques explications? Eh bien, je suis allergique au chat, et il y a eu un meurtre. Un homme a été griffé dans ce manoir. Comment ça? Mais par qui? La victime est un résident de ce manoir, un certain Rupert Reynolds. Rupert et... Ouh. Et hop, on entre dans Phoenix Wright. Il y a 2 heures,
j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir Reynolds. Lorsque je suis arrivé ici, il était clair que la victime était déjà décédée. Je vois. Quelle est la cause du décès ? Je suis justement en train d'enquêter à ce sujet. Pour votre information, Layton, la cible est morte. Les autres détails liés à cette enquête sont confidentiels. Et bonsoir, Newt. En parlant de détails, qui a prévenu la police ? Vous êtes sourd, je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels. C'est compris, mon ami ? Bon, je vais vous prendre de vos dépositions dans la pièce attenante. Venez me voir un par un. Et que ce soit bien clair, personne ne quitte les lieux avant que j'aie interrogé tout le monde. Et bah je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça, il y a eu un meurtre, le mec était mort, le mec auquel on a parlé, qui nous a fait une énigme, il s'est fait décéder. On a 26 pièces SOS, on a résolu 23 énigmes, on a gagné 600 points. On a découvert 23 énigmes, bon c'est bon, au fond on a tout fait. On va dans la sauvegarde. On sauvegarde, oui. Et on va dire au revoir à YouTube, des bisous à YouTube, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine pour la suite, au revoir.